Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette webconférence de la communauté traitement des déchets d'Idéalco. Donc nous démarrons cette webconférence sur les brefs, le bref incinération. Notamment aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Je suis Lucille Bouloc, donc je suis animatrice des communautés déchets, interdéchets et traitement des déchets chez Idéalco, entre autres. Et nous allons donc aujourd'hui parler du sujet qui est les dits et les non-dits sur des conclusions sur les MTD, donc les meilleures techniques disponibles du bref incinération. J'informe les participants si pour certains d'entre vous, vous êtes plutôt anglophone, que la webconférence se déroulera en français. Et donc, je vais poursuivre et Hubert de Chef de Bien poursuivra en français. Donc, le contexte de la webconférence, c'est que les conclusions de MTD du bref incinération seront publiées à l'été 2019 et elles devront être mises en œuvre dans les d'ici les 4 prochaines années, donc sous 4 ans. À première vue, les MTD semblent simples à comprendre. Toutefois, leur application repose sur des notions et des règles définies ailleurs ou qui restent à déterminer. Cette webconférence, qui est organisée en partenariat avec l'ASTE et avec l'intervention d'Hubert de Chef de Bien, animateur du groupe de travail ASTE au sein de l'ASTE, du groupe de travail bref au sein de l'ASTE, excusez-moi, et directeur des relations institutionnelles au CNIM Environnement, a pour objet de mettre en évidence les principaux points de vigilance, de proposer des solutions et de présenter le guide explicatif qui est en cours d'élaboration par les associations professionnelles européennes. Donc, avant d'assister à la webconférence, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à télécharger le document qui se trouve sur la page de présentation de la webconférence, qui vous permet d'avoir sous la main toutes les abréviations qui seront évoquées. De même, nous vous avions proposé de suivre un module interactif préalable à la webconférence, qui reprend toutes les notions de base et les éléments contextuels qui ne seront pas abordés dans cette webconférence. Vous aurez toujours, de toute façon, la possibilité de le revoir lorsque la webconférence sera terminée. C'est également en ligne sur Idéalco. Pour ce qui est des objectifs, donc l'idée, ça va bien évidemment être de permettre la mise en évidence des principaux points de vigilance concernant les MTD du bref incinération, de proposer des solutions et de présenter le guide explicatif qui est actuellement en cours d'élaboration par les associations professionnelles européennes. Alors, juste avant que nous ne démarrions, je vais vous donner une petite information pratique en ce qui concerne le partage de questions, de remarques tout au long de la webconférence. Vous avez un module qui apparaît lorsque vous êtes face à l'écran, qui s'appelle Q et R. C'est le module dans lequel vous pourrez poser vos questions, partager vos remarques que je vais réafficher et que je partagerai à l'oral à Hubert de Chef de Bien, de manière à ce qu'il puisse vous y répondre en direct. Donc, comme je le disais et comme le module est déjà en ligne, vous retrouverez l'enregistrement et le support de l'intervention d'aujourd'hui disponible a posteriori sur la plateforme Idéalco avec la fiche de formation qui vous a permis d'accéder à la webconférence. Donc, j'accueille, comme je vous le disais, Hubert de Chef de Bien à mes côtés pour intervenir sur ce sujet. Donc, bonjour Hubert. Merci beaucoup, Lucille. Merci à Asté, merci à Idéalco de me donner la possibilité de faire connaître le travail que nous avons fait sur les meilleures techniques disponibles pour l'incinération. Comme vous le disiez, l'échéance approche et le sujet devient d'intérêt pour la plupart des acteurs. Vous nous aviez déjà donné l'occasion, par le passé, de commencer à alerter tout le petit monde de l'incinération à ce propos. Aujourd'hui, on arrive à une réalisation des travaux qui ont été faits depuis longtemps. Je peux lancer la présentation, c'est moi qui fais? Voilà, absolument. Alors, je Donc, fais ça nous comme allons on aller dit. sur la présentation. Hop. Voilà. Merci, Lucille. Voilà, donc ces travaux ont été faits en étroite collaboration avec de nombreuses associations. Et comme vous pouvez voir, SNID, SVDU, FNAD, SER et Amorce en France, et puis au niveau européen,
c'est Web et Sweat et FIAD. Et bien sûr, donc, AST Idealco également. Et je le remercie à nouveau pour cela. Alors, voilà. Donc, il y a un certain nombre de sujets qu'il va falloir aborder pour arriver à se mettre les idées en place sur la question. C'est pourquoi nous avons mis tout cela sous l'emblème du puzzle. Le puzzle va être constitué d'un certain nombre de pièces qu'il s'agira d'assembler in fine de façon à avoir une vue globale des problèmes et des solutions qui sont nécessaires pour mettre en œuvre ce bref. Alors tout d'abord, pourquoi cet atelier? Quel a été le rôle des associations dans la révision du bref? Et puis, vous avez là les diapositives avec les abréviations qui sont, je le rappelle, également sur le site et que vous pouvez imprimer pour pouvoir suivre si vous n'êtes pas encore tout à fait familier. Sur les premières diapositives, comme vous le voyez, il y a quelques abréviations qui sont indiquées en bas de façon à faire un petit rafraîchissement de mémoire pour ceux qui auraient eu un oubli. Donc, comme disait Lucille, cet atelier a pour but d'étudier les différentes conditions qu'il y a dans le bref qui devront être transcrites dans les permis d'exploiter de toutes les installations existantes et bien entendu de toutes les installations nouvelles et mises en œuvre dans un délai de 4 ans. La nouveauté de la directive IED sous laquelle ce bref a été créé, c'est que les valeurs limites d'émission vont devoir également être modifiées de façon à ce que de nouvelles valeurs limites d'émission en conditions normales d'exploitation soient appliquées et que ces valeurs n'excèdent pas les valeurs qui correspondent à celles qu'on obtient quand on met en œuvre les meilleures techniques disponibles, les fameuses BAT-AL. BAT, donc c'est Best Available Technique, MTD en français, et AEL, ça veut dire Associated Emission Level, donc les niveaux qui sont associés à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles. Les conditions indiquées dans le bref ne sont pas d'utilisation facile. En effet, de nombreuses informations ne sont pas indiquées dans le document qui sera officiel, les conclusions MTD, et soit qu'elles se trouvent dans d'autres textes, par exemple dans des directives, ou dans d'autres chapitres du bref que celui qui comporte les meilleures techniques disponibles. Certaines aussi sont laissées à l'appréciation des États membres pour exécution, ou même dans certains cas, elles n'existent pas et il va falloir les créer dans un avenir proche. Donc le but de cette présentation, c'est d'identifier les problèmes potentiels le plus tôt possible, de façon que les exploitants et toutes les parties prenantes qui vont intervenir dans ces nouveaux permis soient le plus tôt possible au courant des choses qu'il va falloir faire. Lucie, je vois que la vignette est en plein milieu, là. Oui. Je viens de la mettre sur le côté. Absolument. Moi, ça ne me dérange pas trop. Alors d'ailleurs, j'en profite pour indiquer à tout le monde que vous pouvez également aussi déplacer la vignette hein, pour l'affichage et selon les pages. Voilà, on peut la mettre sur le côté. Voilà. Parfait. Voilà, comme ça, vous pourrez voir ce qui est présenté. Au lieu de voir ma tête, ce qui a un intérêt modéré, je suis d'accord avec vous. Alors, comment est-ce que nous sommes intervenus pendant l'élaboration du bref? C'est important de le savoir, ce n'est pas simplement une histoire d'anciens combattants, c'est parce que pour ensuite comprendre ce qui a été fait, il est important de savoir comment ça s'est passé. Donc, au niveau européen, ont participé aux travaux les États membres, dont l'État membre France, qui était soutenu par l'ADEME et l'IPERIS. Et au niveau professionnel, il y avait un certain nombre d'associations, dont le CEWEP, qui sont les exploitants d'usines d'incinération en Europe, les SWET, qui sont les constructeurs, et la FEAD, qui est plus large et qui couvre l'ensemble des activités. Au niveau français, on avait donc les constructeurs français, le SNIL, les exploitants français, le SBDU, la FNAD, qui est l'équivalent de la FEAD au niveau français, la MORS qui permet d'avoir des relations avec les collectivités territoriales, le SER, le syndicat des énergies renouvelables, et donc, bien entendu, l'AST, l'association professionnelle de l'eau et du déchet, et puis Idéal Connaissance, qui permet de partager les connaissances pour le monde du public. Les travaux ont commencé
pour nous en 2012, c'est-à-dire plus de 2 ans avant le début officiel. Nous nous sommes associés entre les différentes associations européennes de façon à travailler de concert et à pouvoir présenter des propositions communes à l'ensemble des groupes de travail. Je ne vais pas rester longtemps sur cette diapositive, c'est juste pour vous montrer la durée. Donc vous avez la première barre en haut qui est pour le West Incineration, ensuite celle du milieu pour le West Treatment, bref, et celle du bas pour les grandes installations de combustion, avec les différentes étapes qui se succèdent les unes après les autres, et comme vous le voyez, qui ne prennent pas nécessairement le même temps pour chaque... Bref. Nous avons participé à de très nombreuses réunions dans notre groupe de travail d'abord, ensuite avec le IPPCB, qui est le bureau de ces villes, l'European IPPC Bureau, qui s'occupe de ces brefs, et en particulier du bref incinération, qui sont les auteurs principaux, et puis des dizaines d'autres réunions avec des associations industrielles, les États membres, les ONG. Le travail n'est pas terminé. Il va falloir donc achever le guide explicatif que nous avons commencé à préparer et dont parlait Lucille. Il va falloir expliquer, comme on est en train de le faire aujourd'hui, à tous ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ça en direct, comment les choses se sont passées, surtout ce dont ils auront besoin pour pouvoir faire la mise en œuvre. Et puis, un travail important va être le travail avec les instituts de normalisation nationaux et le CEN au niveau européen, de façon à adapter les normes aux nouvelles exigences que nous aurons en valeur limite d'émission. Donc voilà les pièces principales du puzzle qu'on va essayer de présenter aujourd'hui dans un certain nombre de sessions bien identifiées, de façon à pouvoir vous repérer et ultérieurement à pouvoir revenir dans telle ou telle partie. Alors, certaines diapositives sont masquées parce que nous n'avons que 3 heures, j'en suis désolé. Je pense que vous trouvez que c'est déjà très long et donc il y a ce que je considère comme étant le plus important. Mais peut-être si vous voulez revenir sur certains points, vous serez content de voir qu'il y a un peu plus d'informations dans les diapositives que ce que je vous ai présenté. Donc d'abord, on va voir comment le bref a été fabriqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dedans et qu'est-ce qui manque. Un certain nombre de pièces, donc les conditions normales d'exploitation, les conditions autres que normales, la question des mâches fer et des rejets aqueux associés aux mâches fer, le calcul de l'efficacité énergétique dans le contexte du bref, les incertitudes de mesure, qui est un point majeur. La pièce 4 est un point qui va nous prendre un peu de temps. Et puis ensuite, présentation donc, du guide qui a été établi par la profession pour les différentes parties prenantes. Et puis ensuite, en 2 parties, les propositions que nous, professionnels, faisons pour combler les manques, sachant que ça reste à ce stade, bien entendu, des propositions qui devront être validées par les autorités compétentes. Et enfin, une bibliothèque de documents utiles qui permettra de compléter les informations qui ont été données. Alors, je ne m'arrête pas sur ces tableaux, il y en a 2 d'abréviation, puisque ça vous a été envoyé. On les a regroupés là pour qu'on les ait sous la main au cas où on se pose des questions sur le sens de tel ou tel. Donc, repérez bien la place, c'est diapo 15-16 dans les présentations. Le cadre légal et le contexte, ça a été dit. Il y a une excellente formation qui a été mise en ligne il y a quelques jours, même plus, quelques semaines, et pour laquelle vous étiez invité à passer le temps nécessaire pour apprendre les bases du système. Donc, on ne considère pas, à partir de maintenant, que tout le monde a pu faire cela ou connaît déjà le contexte et je ne vais pas revenir dessus. Alors, j'aurai quand même les diapositives dans le document PPT qui sera mis à disposition, mais je considère à partir de maintenant que vous savez ça. Bon, je vais quand même, pour ceux qui auraient déjà un peu oublié, essayer de dire le sens de certaines abréviations au fur et à mesure, mais je ne reviendrai pas sur les détails. On passe tout de suite donc à la suite. Comment est-ce que le document a été élaboré? Donc, 1, les étapes d'élaboration, 2, la collecte des données, 3, l'analyse des données. Quel est l'historique? On va être très bref. On a lancé donc
les opérations à Séville en 2015. On a choisi un certain nombre d'usines considérées comme fonctionnant bien, well performing. On a envoyé un questionnaire, on a eu le retour des questionnaires, des questions ont été posées aux exploitants qui avaient rempli le questionnaire. Au total, 350 lignes ont fourni 45 millions de données quand même, individuelles, qui ont été étudiées, traitées et qui ont donné lieu à un premier projet mai 2017, connu sous le nom de Draft One. Et à partir de là, il y a eu des commentaires, des questions, des demandes de modifications, une réunion finale sur les points principaux qui a eu lieu en avril 2018, un document dit pré-final qui nous a été diffusé en septembre 2018 et un document final, un projet final cette fois, en décembre 2018. Le chapitre 5 qui comporte les conclusions, lui, a été diffusé en février pour une réunion qui a eu lieu en février, c'était la réunion du forum article 13 où les États membres et la commission, les associations étaient réunis pour résoudre les derniers points que la commission espérait pouvoir résoudre sur le document. Alors, le 17 juin 2019, c'est aujourd'hui, vous le notez au passage, nous avons le vote du comité article 75. Donc là, il n'y a que la commission et les États membres qui sont réunis pour voter sur le projet de texte. Je m'attends à ce qu'il y ait un vote unanime en faveur du document, donc il ne devrait pas y avoir d'entrave pour la suite des opérations comme il y a un petit peu eu avec le bref plan d'installation de combustion. Les traductions ont déjà été lancées depuis un certain temps et donc on peut penser que le document sera prêt dans les 23 langues de l'Union dans les semaines qui viennent et qu'on aura une publication du chapitre 5 du bref, celui sur les conclusions NTD, le seul qui est un aspect contraignant légal, dans le courant de l'été, vraisemblablement, je pense, en juillet. C'est à partir de cette date-là que le compteur démarre pour 4 ans, au bout des 4 ans, donc, obligation de mise en conformité des installations existantes. Le reste du bref, c'est-à-dire les autres chapitres que le chapitre 5, seront publiés dans un document complet et à la fin de l'année, et seulement en anglais. Alors, cette mise en œuvre est obligatoire. Comme je disais, c'est sous 4 ans, et la France considère les délais suivants pour la mise en œuvre. D'abord, un an donné à l'exploitant, ou plus précisément au détenteur de l'autorisation d'exploiter, pour faire des propositions. Ensuite, l'autorité a un an pour se prononcer là-dessus et donner les conditions du permis. Et puis, il reste donc 2 ans pour signer les contrats, les exécuter et effectuer une mise en service. Alors, à bon entendeur, salut. Il y a 1300 lignes en Europe qui ont la même date butée. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir probablement un peu d'embouteillage et il ne faut pas attendre la dernière minute pour s'y mettre. C'est une des raisons pour lesquelles, avant même la parution, nous avons essayé de diffuser de l'information de façon que chacun puisse se préparer et ma recommandation est que tous puissent commencer à s'imprégner de tout ça de façon à commencer les réflexions pour la mise en œuvre le plus vite possible. Alors ça avance plus maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. La collecte des données. Donc, ce petit rectangle jaune en haut, c'est un extrait du questionnaire qui a été envoyé aux exploitants. Les exploitants de 350 lignes d'incinération ont rempli ça avec les données donc, de 2014. Important, les données émissions ont été corrigées en pression température, oxygène et humidité. Il n'y avait pas la soustraction de l'incertitude. Alors, notez bien ça, on reviendra tout à l'heure quand on parlera des incertitudes.
pour les substances mesurées en continu, les 7 substances aujourd'hui mesurées en continu, on avait 17 520 valeurs moyennes semi-horaires. Et pour les périodiques, on a eu les valeurs sur un an, deux ans ou trois ans selon les usines. Et pour l'efficacité énergétique, on a eu à la fois des données relatives à l'ensemble de l'usine et d'autres relatives aux lignes. On va voir quand on parlera de ça que selon les cas, on s'intéresse soit à l'usine, soit à la ligne. Bon, les données devaient être vérifiées par les États membres et ainsi que les réponses apportées par les exploitants aux questions de l'IPCD. Ce qui est important de noter en termes d'émissions, c'est que sur les 17 520 lignes du fichier Excel, les exploitants étaient invités à préciser quelles étaient les conditions de fonctionnement de l'installation. Est-ce qu'on était en condition normale d'exploitation ? Est-ce qu'on était en condition autre que normale ? Et si on était en condition autre que normale, de quelle situation autre que normale s'agissait-il ? Donc, vous avez là les abréviations qui étaient dans les instructions pour les exploitants. Hein, comme je vous rappelle, le questionnaire était en jaune, donc ces rectangles jaunes sont extraits du questionnaire. Et on voit donc, première situation, quand l'installation fonctionne avec un fuel auxiliaire. Ensuite, on a les start, c'est le démarrage, shut, c'est shutdown, c'est l'arrêt, etc., etc. Nous reviendrons sur les différents hot knock. Le point à retenir là, c'est que dès ce stade, l'IPPCB, donc le bras armé de la commission, le bras armé technique, a identifié les points hot knock. Alors, qu'ont-ils fait ensuite ? Ils ont développé des filtres. Ils en ont développé 9, je crois, ou 8, dont 6 ont été utilisés pour faire des combinaisons de filtres. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessus. Et dans ces. Les filtres sont dans le tableau et les combinaisons sont en bas de page. Donc, les combinaisons qu'ils ont retenues finalement sont le daily base, le daily fine et le half hourly base qui est très peu utilisé. Les deux principaux, le daily base et le daily fine, correspondent à peu près à ce qui est la condition normale d'exploitation pour le daily fine et ce qui est la situation habituelle pendant laquelle nous devons le respect des VLE, le RIOT, Relevant IoT. Alors, IoT, c'est Effective Operating Time, le temps effectif de fonctionnement, pendant lequel aujourd'hui, toutes les mesures en continu doivent être inférieures au VLE. Alors, pourquoi Relevant ? Parce que l'IoT, au sens strict, inclut aussi la marche au brûleur seul, et comme on n'est pas tenu pendant cette période de respecter les valeurs limites d'émission, nous avons appelé ça le Relevant IoT, c'est-à-dire la partie de l'IoT qui s'applique pour ces valeurs limites d'émission. Donc, vous notez que pour le Daily Fine, on a OC1 OPE LVK 43. Donc, OC1, c'est après avoir écarté toutes les valeurs identifiées comme hot knock. OP, c'est toutes celles qui sont hors fonctionnement considéré comme normal, c'est-à-dire quand la température est trop faible ou le débit est trop faible. Ensuite, ELV, ça veut dire que l'IPPCB a enlevé toutes les valeurs demi-heure qui étaient supérieures au VLE de l'installation, ce qui va encore plus loin qu'on le verra que les conditions normales d'exploitation. Et 43, c'est qu'il a enlevé, quand il a fait les moyennes journalières, les jours pour lesquels on n'avait pas 43 demi-heures disponibles. 43 sur 48. Donc, c'est une règle qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans l'IED annexe 6. Bon, c'est en fait, Daily Fine, c'est conditions normales d'exploitation, je dirais plus, puisqu'on a ELV 43 en plus, comme condition pour écarter des valeurs. Donc, ils n'ont fait que un travail sur les valeurs demi-heure avant de faire une moyenne journalière et on le verra, il n'y a des bataelles que sur les moyennes journalières. Il n'y a pas de bataelles sur les valeurs demi-heure. Voilà le genre de graphe qu'on peut trouver dans le bref, dans l'annexe 8 quelque chose, 8-6. Comme vous voyez là, comme il y avait 330 usines quelquefois, les résultats en tout cas pour les installations, parce que ça a été serré par type de déchets.
Donc, pour les déchets municipaux, en l'occurrence, là, on avait trois pages. C'est pour ça que je vous ai mis les trois pages, parce que c'est ça que vous pouvez trouver dans le bref lui-même. Avec dessus le petit trait rouge qu'on voit qui est les valeurs limites d'émission. Et puis les résultats correspondant à des lieux B, des defined. J'y reviens dans une autre diapo. Vous avez à droite donc le sommaire des annexes avec l'endroit où on peut trouver ces schémas. Alors un point important pour la détermination des fameuses batailles, c'est qu'il y a des règles qui sont données dans un guide pour l'élaboration et la révision des brefs 2012-119-UE. Et j'attire votre attention sur le fait que quand un bas de plage s'écrit inférieur à X, en fait, ça signifie qu'on est proche de la limite de détection des instruments. Autrement dit, ce n'est pas très commode de fixer une VLE dans ces eaux-là. Et bien sûr, la limite de détection, comme vous savez tous, est inférieure à la limite de quantification. Donc, ça veut dire que quand on est dans la zone de la limite de quantification, ce n'est même pas forcément identifié comme étant une valeur un peu incertaine. Donc là, on retrouve les mêmes trois pages que tout à l'heure, sur lesquelles la plage Bataille a été ajoutée par mes soins, donc de 2 à 5 mg par mètre cube. Il faut noter qu'aucune marge n'est incluse pour tenir compte que les batailles seront de futures VLE. Donc, l'exploitant est en fait tenu de faire à vie ce que certains ont été capables de faire, les meilleurs ont été capables de faire pendant l'année de référence. Et notamment, les incertitudes sur les mesures ne sont absolument pas prises en compte. On ne sait pas comment le IPPCB a établi ces valeurs. À les entendre, tout est clair, mais en fait, ce qui est clair, c'est la façon dont ils ont fait ces schémas, la façon dont ils tracent dessus ensuite les deux traits horizontaux qui représentent la plage Bataille n'est pas identifié. Ils ont dit que ça ne pouvait pas être une approche statistique mécanique et donc on n'en sait pas plus. Alors, je vous avais promis un diagramme un peu plus lisible. Le voici. Ça, c'est un diagramme qui a été fait par nous avec les données de l'IPPCB qui ont permis de faire les trois autres pages. On a tout mis sur la même page de façon à ce que ce soit plus visible. Donc, vous voyez ici les petits traits rouges en haut qui sont les valeurs limites de l'installation. Donc, la plupart, puisqu'il s'agit là du... C'est quoi ? C'est les poussières, ça ? Donc, on a la valeur limite classique qui est de 10 mg, mais on voit que certaines usines ont des valeurs limites qui sont un peu différentes. Sauf une qui est anormale à gauche, toutes les autres évidemment ont des valeurs limites qui sont un peu plus basses. Alors il s'agit de valeurs limites journalières. Et puis on a donc en orange le daily fine, celui qui correspond aux valeurs NOx. Alors il s'agit évidemment des valeurs max, parce que comme il s'agit de futures valeurs d'émission quand même, ce qui a été pris en compte après qu'on ait enlevé toutes celles qui, selon les IPPCB, devaient l'être au titre des hautes NOx et autres, on a regardé la valeur max qui est restée sur l'année, de façon à pouvoir définir quelque chose qui pourrait servir à faire des VLE. Et donc, on a ces points orange là, et c'est rangé d'ailleurs dans l'ordre des points orange, qui montrent ce qui correspond à la situation en conditions normales d'exploitation. On voit que les petits triangles verts qui représentent les valeurs en VET, donc quand on maintient les périodes hot NOx, sont sensiblement supérieurs. Et puis, on peut voir aussi sur ce diagramme que les valeurs annuelles, évidemment, sont toutes inférieures au point orange. Soit que la moyenne annuelle est nécessairement inférieure, voire sensiblement inférieure au maximum de l'année. Alors là, ce sont des maximums jours. Alors, vous avez tout plein de graphes, il y en a aussi avec les valeurs de demi-heure, etc. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de la session 3 et maintenant, nous entamons la session 4 qui est le contenu du bref et les trous qu'il y a dedans puisque les conclusions MTD se ressemblent un peu à une gruyère. Donc, on va regarder d'abord les parties pleines et puis après les parties vides. Session 4, structure du document, différentes sortes de conclusions sur les MTD. En effet,
elles ne sont pas toutes de même nature. Et puis, donc, les questions qu'il faut résoudre pour la mise en œuvre de ce document. Donc là, vous avez le sommaire général du bref, qui est similaire à celui du BAT de 2006, bien que la teneur, la nature du bref est complètement changée. Donc on trouve dans un document qui fait 750 pages, qui a 7 chapitres, un chapitre 5 dans lequel on a les meilleures techniques disponibles, qui sont les conclusions des meilleures techniques disponibles, qui vont être détaillées dans les diapositives qui suivent. Donc là, on retrouve le sommaire de ce chapitre 5, les conclusions MTD, qui a été rédigé de façon à pouvoir être un document autonome. Comme je disais tout à l'heure, il va être publié sous la forme d'une décision d'exécution de la commission en juillet, vraisemblablement, et c'est lui qui sera applicable. Le reste du bref est simplement pour information. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce chapitre 5 ? On trouve 37 conclusions, meilleures techniques disponibles. Qu'on note CMTD pour conclusion MTD, ou en anglais BATC, BAT conclusions, pour ne pas les confondre, je vais y revenir tout à l'heure, avec les techniques, les meilleures techniques disponibles elles-mêmes. Donc, la meilleure technique disponible numéro 1, c'est à propos du management environnemental. Ensuite, on a un certain nombre de BAT sur différents sujets, l'efficacité énergétique, le suivi, le mesurage, les paramètres clés, qu'est-ce qu'il faut mesurer, comment il faut le mesurer, etc. Et puis ensuite, des performances générales sur l'installation. Et après, les parties les plus importantes, BATC 19, 20 jusqu'à 34, dans lesquelles on va avoir des BATAIL et des BATAEL. Alors, les BATAEL, donc, ce sont, on l'a vu, les valeurs d'émission, les niveaux d'émission associés à la mise en œuvre des MTD. Les BATAIL, avec deux E, c'est l'efficacité énergétique qui est associée aux meilleures techniques disponibles. Voilà, donc on va passer en revue une partie de ces techniques. Alors tout d'abord, avant les techniques, on a le domaine d'application. Donc ce bref s'applique aux installations d'incinération, aux installations de co-incinération, des déchets dont l'objet principal n'est pas la production de matériaux. Alors ça, c'est parce que les cimenteries sont... dans le bref cimenterie, et il faut savoir quand même qu'il y a un peu de co-incinération dans le bref LCP, dans les installations de combustion. La limite entre les deux est parfois un peu incertaine, et c'est un point qui est en cours de discussion encore à la Commission. Plusieurs États membres se sont émus après nous, mais comme c'était nous qui avons fait la remarque, on n'avait pas forcément eu un retour, et maintenant ils sont embêtés pour la mise en œuvre parce que certaines installations pourraient passer entre les mailles du filet. Autrement, c'est à la fois pour les installations qui font de l'élimination et de la valorisation, même limite que dans l'IED jusqu'à présent, annexe 6, c'est pour les installations de plus de 3 tonneurs non dangereuses, et pour les déchets dangereux, c'est à partir de 10 tonnes. Oui, parce que l'on traite aussi bien là-dedans que des déchets municipaux, des autres déchets non dangereux que des déchets dangereux, des boues et des bouts de station d'épuration et des déchets hospitaliers, des dasseries. Alors, on trouve aussi dans ce bref le traitement des mâches claires. On y reviendra. Donc, les conditions, si c'est seulement pour élimination, plus de 50 tonnes jour, et si c'est valorisation ou à la fois valorisation et élimination, 75 tonnes jour. Ce sont les mêmes limites que celles qui sont indiquées dans l'IED. Alors, j'attire au passage l'attention sur le fait que l'incinération et co-incinération incluent pyrolyse, gazification et plasma, comme dans l'IED, et que donc ces installations, bien que très peu d'entre elles aient contribué en remplissant le questionnaire, sont aussi couvertes par le document. Ah, qu'est-ce que j'ai fait hein? Ah. Excusez-moi, on va revenir. C'est une professionnelle. On va revenir au partage du document. Merci. Voilà. Hop. Merci. Et
Alors, je n'ai pas envie d'appuyer, c'était pas bon. C'est pas plus rien. Voilà, il ne faut pas appuyer sur arrêter. Ah, il ne faut pas appuyer sur arrêter. Vous avez raison, je n'avais pas vu. Alors, exclu. Qu'est-ce qui est exclu de ce qui nous intéresse? Le traitement des déchets avant incinération, parce que c'est traité dans le bref waste treatment. Le traitement des réfiums qui sont aussi traités dans le bref waste treatment. Et puis, bon, l'incinération des déchets gazeux. Les déchets spéciaux qui sont de toute façon exclus de la directive IEDR. Je n'ai pas sur arrêté, j'appuie, voilà. Alors, un point intéressant qui n'est pas expliqué dans le bref, que nous avons, dont nous avons eu connaissance pendant les travaux, c'est qu'à l'occasion du bref incinération, l'IPPCB et la Commission ont introduit la notion de key environmental issues, c'est-à-dire de points clés pour l'environnement. À propos des différentes substances. Donc, après un certain nombre de discussions, ont été reconnus points clés les NOx, l'ammoniac, le mercure, les dioxines furanes, poussières, métaux, PCBDL, HCL et SO2. Par contre, ont été considérés comme non clés HF, TOC ou TVOC, CO, CO2, CH4, N2O, PM10 et PM25, PCB et PAH. Et c'est intéressant de savoir un peu quand même comment ont été fixés les hauts de plage Bataille, puisque on a, pour les polluants clés, donc le haut et le bas de la plage ont été proposés sur la base des données qui ont été remontées par les différentes les différents exploitants. Par contre, pour les polluants non clés, le haut de plage a été maintenu à la valeur qu'il y a dans le l'IED annexe 6 pour la VLE, et pour les polluants non clés pour lesquels il n'y a pas de valeur dans l'IED annexe 6, il n'est pas proposé de Bataille. Donc c'est intéressant à savoir pour les discussions qu'on peut avoir sur la mise en œuvre, qu'est-ce qui est considéré comme clé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Les principales nouvelles exigences concernent, mais pour la France elle n'est pas nouvelle, l'échantillonnage longue durée des dioxines et furanes. Par contre, à ça a été ajouté le PCB dioxinac, et qui doit être fait donc pendant, alors en principe, c'est 2 à 4 semaines, une fois par mois. Donc pour nous, ce sera vraisemblablement des mois complets. Et il y a des possibilités d'exemption qui ne sont, enfin, si pour les PCBDL, c'est si on n'en trouve pas beaucoup, moins de 0,01 nanogramme. Au bout d'un moment, on peut être dispensé de continuer, ce qui peut faire faire des économies aux exploitants. Et autrement, il y a le point d'exemption peut être intéressant pour nous en France, puisqu'on a déjà l'obligation de mesurer les dioxines et les furanes en continu, enfin, d'échantillonner en continu. C'est que nous faisons ça dans le fameux RIOT, RIOT, la période complète de fonctionnement de l'installation, alors que toutes ces Bataille ne s'appliquent qu'en conditions normales. Donc, on pourrait être dispensé de le faire en conditions normales, puisqu'on le fait en conditions, en fonctionnement tout le temps. Bon, par contre, nouveau pour nous en France, ce n'est pas le cas pour nos amis allemands, c'est la mesure en continu du mercure, avec des Bataille qui y sont associés. Il y a aussi des possibilités d'exemption si on peut montrer qu'on a des valeurs qui sont à la fois basses et stables en mercure dans les déchets entrants. Donc, ça dépend un peu de la nature des dits déchets. Il n'y a plus d'exemption pour les usines de moins de 100 000 tonnes an, comme ça avait été le cas dans le projet numéro 1 de 2017. Autrement, il faut mesurer aussi en continu l'ammoniac et on a des Bataille associés, comme pour le mercure, et pour les NOx, on a des valeurs qui dépendent éventuellement, qui dépendent plus de si on a du SNCR ou du SCR, et toutefois, si on ne peut pas installer du SCR, on a une dispense qui permet d'avoir une valeur un peu plus. Bon, on n'a plus la différence qu'on avait dans l'IED pour les installations de moins de 6 tonneurs qui pouvaient avoir des valeurs plus élevées. Dans ce tableau, vous trouverez les valeurs au milieu qu'on a dans l'IED. Donc, je le rappelle, c'est pour la période EOT
souhaité, en tout cas pour ce qui est mis en continu. Et à droite, les valeurs qu'on a dans le bref, Bad Conclusions, pour les nouvelles VLE, plage, repères pour fixer les nouvelles VLE en conditions normales d'exploitation. Alors, on ne va pas s'arrêter là-dessus maintenant. Je pense que vous connaissez ce tableau qui plus est. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que dans ce tableau, on a mis au milieu là, les intervalles de confiance maximum correspondants aux VLE qu'on a dans l'IED annexe 6 et qu'on les a mis en valeur absolue. Parce qu'en fait, on en discutera tout à l'heure, ce sont des valeurs absolues puisque ce sont en fait des pourcentages de valeurs fixes qui sont les VLE jour des installations. Bon, en bas, on ne va pas s'arrêter dessus non plus. Maintenant, on a les différentes exemptions qui sont possibles pour les différentes, pour le mercure, pour les dioxines et furanes. Et ici, donc, on a le complément du tableau avec les valeurs dioxine, furane, PCBDL, et puis les différents métaux. Bon, on pourra rediscuter de ça si vous le souhaitez. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de rentrer dedans, sinon il nous faudrait la journée. Alors, autres obligations de mesure, nous avons le N2O. Si l'installation de combustion est un lit fluidisé ou si on a une dénox SNCR qui fonctionne à l'urée. On a les dioxines bromées si l'installation brûle des déchets contenant des retardateurs de flamme ou retardateurs de flamme au brome, ou bien si on a des techniques d'abattement du mercure qui utilisent le brome. C'est une des techniques, notamment la technique F qui est prouvée, qui est proposé dans une des meilleures techniques disponibles sur l'abattement du mercure. Bon, donc on doit mesurer ça une fois par an, une fois tous les 6 mois. Pour ce qui est des mesures des émissions dans l'eau, il y a une petite distinction qui est faite selon que les eaux sont rejetées directement dans un plan ou un cours d'eau, ou bien qu'elles sont renvoyées vers une station de traitement en aval, à la condition toutefois que la station en aval, évidemment, traite les substances correspondantes. Donc, sur ce tableau, on peut voir les différentes valeurs. Vous noterez que par rapport à celles qu'on a en France depuis quelques mois, ces valeurs sont dans l'ensemble beaucoup plus faibles. On a indiqué en vert les valeurs limites d'émission qui s'appliquent aux émissions indirectes, et en vert et noir, on a celles qui s'appliquent aux émissions directes. Alors, un point important, on y reviendra aussi tout à l'heure, c'est que ça s'applique aux eaux provenant du traitement des fumées et du traitement des mâches faibles. Les autres eaux ne sont pas visées par une meilleure technique disponible. Sinon, à noter que les dites incinérations sans récupération d'énergie ne sont plus MTD. Donc, dans 4 ans, elles devront avoir soit mis une chaudière, soit cessé de fonctionner. Sur les émissions diffuses et les odeurs, il y a quelques recommandations MTD, mais on n'a pas de BATAL, donc de valeur limite d'émission à mettre dans les autorisations d'exploiter, hormis dans le cadre des mâches fer, si on doit maintenir une partie de l'installation en dépression. La radioactivité, on l'a déjà en France, et l'interdiction de mélanger les réfiums, on les a aussi en France, on n'insiste pas. Bon, alors quels sont les principaux non-dits de ce document? D'abord, que l'ancien bref et l'ancienne BATAL étaient sous l'IPPC, ne s'appliquent plus sous l'IED, c'est important pour leur demi-heure. Que generally applicable, puisque la plupart des techniques sont considérées maintenant comme generally applicable, ça ne veut pas dire always applicable. Le IPPCD nous l'a dit 100 fois sans jamais l'écrire. Ça veut dire que generally applicable, c'est si nécessaire, c'est pas à appliquer systématiquement. Ensuite, à propos des conditions normales et autres que normales,
Et il n'est pas écrit dans le document que les battels sont définis en NOC et que les VLE qui en découlent s'appliquent aussi en NOC. Ça, c'est écrit dans la directive IUD, mais ce n'est pas répété dans le document, donc il faut le savoir. Évidemment, la définition de ce qui est NOC, pas NOC. Ensuite, nulle part, il est dit, bien sûr, qu'aucune des lignes qui ont rempli le questionnaire n'ont été capables de faire à la fois tous les plages, toutes les batailles et d'atteindre les efficacités énergétiques des hauts de plage en termes d'efficacité énergétique, ni comment on doit calculer toutes les moyennes. Comment utiliser les plages de batailles n'est pas explicité, sauf trois notes de bas de page qui disent qu'on peut atteindre le bas de la plage dans des conditions particulières. Pour les dérogations, il n'y a pas de définition de ce qui est bas et stable. Il n'y a aucune indication sur ce que sont les valeurs indicatives qui sont données pour le mercure. Qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est clairement pas des batailles. Mais alors, à quoi ça sert? Ensuite, comment vérifier la conformité avec les meilleures techniques disponibles et avec les batailles, et surtout le gros paquet, faut-il prendre en compte les incertitudes pour fixer les VLE et vérifier que les valeurs sont bien inférieures à la VLE. On a réussi, après des années de discussion, à obtenir une seule phrase dans le bref à ce propos, qui est celle que vous trouvez en bas, et qui n'est même pas dans les bas de conclusions, elle est dans le chapitre 7, qui donne les remarques conclusives et les recommandations pour les travaux à venir, et qui indique que, effectivement, le TWG, le groupe de travail, s'est rendu compte que il y avait peut-être une petite difficulté quand on a baissé trop les valeurs avec la question des incertitudes. C'est le maximum qu'on ait pu avoir à la dernière heure, le dernier jour du final meeting. Et même si c'est encore un peu léger, c'est quand même l'avantage, c'est quand même qu'on l'a dans le bref. Et je le répète, malheureusement pas dans les conclusions. Bon, l'IED ne mentionne pas les BATA-EPL. Alors, les BATA-EPL, c'est donc les performances environnementales qui incluent les BATA-L, les émissions, mais aussi d'autres, comme par exemple, pour nous, les efficacités énergétiques, et puis les imbrûlés dans les mâches fer. Donc, ils ne sont pas dans l'IED, et on n'a donc pas d'obligation de s'y conformer, en tout cas, elles n'ont pas la force des BATA-L qui, elles, sont clairement mentionnées dans l'IED avec instruction aux États membres de ne pas, enfin de fixer des VLE pour ne pas dépasser les valeurs BATA-L. Voilà. Alors, je voulais vraiment poser des questions. Je suis lancé. Allez, on va sur les questions. Non, c'était pas tant pour les questions que justement de pouvoir indiquer aux participants qui sont arrivés en cours de route et qui justement se demandent comment ils pourraient peut-être interagir, que vous avez normalement, quand vous bougez la souris en bas, un petit cadre qui s'appelle Q et R et sur lequel vous pouvez poser des questions ou réagir. Donc, pour le moment, je n'en ai pas pour ceux qui avaient bien eu l'information depuis le début. Mais comme certains sont arrivés après avoir eu l'information, je le redis, je peux les prendre au fur et à mesure aussi et les partager. Donc, vous les tapez par écrit. Vous cliquez sur Q et R, vous tapez par écrit votre question, je la vois et je la partage à Hubert de Chef de Bien. Voilà. Vous en avez quelques-unes? Pour le moment, il n'y a pas encore de questions. Ah, bah c'est parfait. On continue. On continue et tout le monde a trouvé ça sans besoin d'explications complémentaires. Bon, donc on en est maintenant à plus d'informations sur les NOC, OTNOC et OT. Alors, NOC, conditions normales d'exploitation, OTNOC, autre que normal, hein, en anglais, normal operating conditions, other than normal operating conditions, et OT, effective operating time. Alors, comme il faut noter la question par écrit et le temps que je l'explique, il y a une personne qui nous a partagé une question par rapport à ce qui a été expliqué. Si nous avons une mesure en semi-conie ou si nous avons un systèle? Si on a une mesure en semi-continue,
Oui. Je pense que c'est ça. En semi-continu, hein, peut-être vous avez tapé très vite pour être sûr qu'on ait bien la question qui soit prise et qu'on s'y arrête. Ou si nous avons un systèle. Alors après, je ne sais pas système, si c'est parce que vous aviez commencé à poser la question. Oui, la question, voilà. Parce qu'il manque, manque la vraie question, là. Bah, on vous laisse le temps de poser compléter. La question, parce qu'effectivement, il faut la noter par écrit pour que ce soit... plus clair à comprendre. Vous aviez une question par rapport à un cas particulier. En même temps, s'il y en a d'autres en même temps qui ont envie de poser des questions, c'est l'occasion. Donc, si nous avons une mesure en semi-continu de PCDD et F, est-on exempté de mesure de PCB? Voilà la question. Ah non. Alors, ce n'est pas tous les PCB d'abord, ce sont les PCB DL, dioxin-like, ce sont les PCB coplanaires et quelques autres qui ont des... un comportement similaire à celui des dioxines. Donc, on doit les mesurer comme on mesure les dioxines en continu. Toutefois, comme je disais tout à l'heure, il y a une possibilité de mettre fin à cette mesure si on montre pendant un certain temps, alors le certain temps, hein, c'est comme le temps de refroidissement du canon, ça sera négocié avec l'autorité compétente, qu'on est en dessous de 0,01 nanogramme. C'est écrit très clairement dans les conclusions MTD. Donc, on peut imaginer qu'on nous demande de faire la mesure, je ne sais pas, pendant 6 mois en même temps qu'on fait… de toute façon, on les ramasse en même temps que les dioxines et les furanes dans la cartouche. Hein. Donc, c'est surtout un coût laboratoire. Donc, on peut imaginer qu'on nous les demande pendant 6 mois et puis ensuite, simplement, une fois tous les 6 mois, une fois par an, si on montre qu'on est en dessous de 0,01 nanogramme. Donc, on devra le faire. Alors, le seul problème qu'on est en train de discuter avec le ministère, c'est que nous, en France, comme je disais tout à l'heure, on mesure ça dans la période complète, R et OT, et que, par définition, les NOC n'incluent pas toute cette période. Donc, quand on a fait cette observation à Séville, on nous a dit « Oui, mais de toute façon, vous pouvez fermer la bouteille de prise d'échantillon quand vous êtes en notre NOC. » Effectivement, on ferme l'accès à la bouteille quand on arrête l'installation et on pourrait parfaitement imaginer de le faire. Ceci dit, nous considérons quand même que ce qui est important, c'est d'avoir le flux total et que ce serait dommage de ne pas continuer à l'avoir. C'est pour ça que j'attirais tout à l'heure votre attention sur la possibilité de dérogation qu'on pourrait utiliser pour dire, écoutez, nous, on le fait en R et OT, donc on considère qu'on n'a pas besoin de le faire aussi en NOC, parce que pour avoir les deux, il faudrait en fait mettre 2 bouteilles, ce qui est quand même apparaît un peu inutile. Alors, nous avons effectivement d'autres questions qui ont eu le temps d'être notées pendant que vous y apportiez une réponse. Donc, pour la mesure en semi-continu des PCB-DL, est-il possible d'utiliser la même cartouche que pour les PCDF? Oui. La prise d'échantillon, l'échantillon qui est pris comporte à la fois les dioxines, les furanes et les PCB-DL, et d'ailleurs aussi les PBDD, PBDF, qui sont les dioxines bromées, les dioxines chlorées. Donc, au point de vue prise d'échantillon, a priori, il n'y aura pas plus à faire. Par contre, évidemment, le laboratoire, lui, va facturer au container, puisqu'on a 17 dioxines furanes chlorées qui sont considérées toxiques. On en a autant pour les PBDD et PBDF. Et on a, je crois qu'il y a 12 PCBDL considérées comme toxiques. Donc, évidemment, ça va multiplier les prix. Alors, à ce propos, je vous signale d'avance, puisqu'on n'a pas encore présenté le guide, que dans le guide que nous avons établi, l'annexe 1 qui donne les abréviations de manière plus détaillée que le document qui vous a été transmis pour impression et qui donne des explications sur certaines d'entre elles, comporte aussi une table des toxicités équivalentes. En effet, il y a des discussions à ce sujet. Vous savez que les... la toxicité équivalente qu'on a dans l'IED sont considérées ITEC, International Toxic Equivalency, que pour les PCBDL, le BREF demande d'utiliser les valeurs WHO, qui sont des valeurs un peu plus récentes que celles ITEC.
pour les PBDD et PBDF, il n'y a pas de valeur toxique équivalente officielle. Mais quand on regarde toute la littérature sur le sujet, on voit que les coefficients des PCDD et PCDF sont aussi utilisés pour les PBDD et PBDF. Donc on a mis, pour être le plus clair possible, les trois tableaux avec les valeurs que nous proposons d'utiliser dans tous les cas. Donc annexe 1 du guide que nous présenterons tout à l'heure. Alors, j'ai deux autres questions, donc je partage les deux autres questions et puis après je vous propose qu'on continue et qu'on prenne une autre session de questions plus tard. D'accord. Donc, autre question, la mesure en continu HF est-elle obligatoire et est-elle possible techniquement ou uniquement une mesure semestrielle est nécessaire? Alors, pour le HF, comme pour le HCL d'ailleurs, l'IED prévoit qu'on puisse avoir des dérogations. Un certain nombre de pays européens le font. En France, ce n'est pas le cas. Toutefois, vous l'avez noté, le HF n'est pas considéré comme un polluant clé. Et en plus, les mesures sur le HF sont extrêmement difficiles à faire. Nous parlerons tout à l'heure des essais qui ont été faits, enfin qui sont faits régulièrement par l'INERIS sur son banc de test pour la confirmation d'accréditation des laboratoires qui procèdent aux étalonnages des instruments en ligne tous les 3 ans au moins. Et le responsable de l'INERIS me confiait que pour le HF, ils n'ont jamais réussi à faire les essais parce que quand on injecte du HF par un petit tuyau dans la boucle dans laquelle on fait les mesures, le HF ne sort jamais au bout du tuyau. Il s'absorbe sur le métal du tuyau. De sorte que c'est extrêmement difficile à mesurer. Et donc, d'un point de vue mesurage, le HF est quasiment impossible à mesurer. Donc, on n'a pas une pression forte des autorités à ce propos, puisque le HF est traité avec les doses acides. Donc, on considère que si on a bien le HCl, le HF est aussi traité. Vous en notez une autre? Et alors, la dernière question avant qu'on poursuive sur la session 5. Le BREF exclut toutes les installations dont la fonction principale est la production de matière. Tous les procédés cimentiers apparentés sont donc exclus? C'est la question. Oui, alors, c'est en cas de co-incinération, les cimentiers ont fait clairement stipuler dans le texte que cette condition qui vise à renvoyer le domaine d'application de ces installations au bref cimentier. En effet, dans le bref cimentier, il y a un paragraphe qui se rapporte à la co-incinération des déchets. Et donc, c'est une règle générale sur les brefs, c'est qu'on évite d'avoir deux brefs qui s'appliquent à la même chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir deux brefs qui s'appliquent à la même installation. Ça, au contraire, plusieurs brefs peuvent s'appliquer à la même installation. Mais à partir du moment où on traite de l'incinération ou de la co-incinération, il convient qu'il y ait un seul bref qui s'applique. On ne va pas faire de la co-incinération à la fois sous le bref incinération, sous le bref MCP et sous le bref cimenterie, c'est ciment, lime et je ne sais plus quoi, magnésium. Donc, le but de la manœuvre, c'est que dès qu'il y a co-incinération en cimenterie, ce soit le bref cimentier qui s'applique. On peut poursuivre. On peut poursuivre, merci. Alors, c'est là. Donc, la question des NOC, OTNOC et EOT. D'abord, et je l'ai déjà dit, il faut vraiment se le mettre dans la tête que l'IED requiert qu'on ait des VLE, des valeurs limites d'émission, en conditions normales de fonctionnement d'une part, ce sont les chapitres 1 et 2 de l'IED, de la directive IED, et d'autre part, pour les mesures en continu, qu'on ait des valeurs limites d'émission qui s'appliquent tout le temps de fonctionnement effectif, sauf quand le brûleur seul est en fonctionnement. On va revenir là-dessus et sur les conséquences que ça a. Ensuite, on va discuter de la définition des
de ces conditions normales et autres que normales, et puis on va regarder quelles sont les informations qui nous manquent. Donc, comme je le disais à l'instant, dans l'IED, vous avez d'une part le chapitre 1 et le chapitre 2, qui sont assez généraux, qui reprennent et modifient la directive IPPC 1996, et puis vous avez l'annexe 6, comme c'est écrit, mais aussi les chapitres 4, qui, eux, sont la retranscription de l'ancienne directive incinération. Donc, il est extrêmement clair, de par l'article 3.13, que les bataels sont définis en conditions normales d'exploitation. Point. Il est extrêmement clair, par l'article 15.3, que les VLE qu'on doit fixer à partir de ces bataels, de sorte que les émissions ne dépassent pas ces bataels, sont aussi fixées pour les périodes de fonctionnement normal de l'installation. Le chapitre 4 et l'annexe 6, eux, disent qu'il y a une règle particulière, disent qu'il y a une règle, donnent la règle pour l'incinération, qui se trouve être le seul secteur industriel qui ait cette obligation maximale de respecter les VLE pour les substances mesurées en continu, tout le temps où l'installation fonctionne lorsqu'elle brûle des déchets. Donc, je l'ai déjà dit, hein, effective operating time, temps, période de fonctionnement effectif en français, et le R que nous avons ajouté, hein, vous ne le trouverez pas dans la littérature, pour dire que ça exclut les périodes de fonctionnement au brûleur. Bon, j'attire votre attention sur le fait que pour les mesures périodiques, rien de tel n'est demandé par l'IED annexe 6. Donc, les mesures qu'on fait en périodique, elles, que ce soit pour les VLE de l'annexe 6 ou que ce soit pour les VLE qui dériveront des bataels, ne s'appliquent qu'en conditions normales d'exploitation. Alors, quelles ont été les conséquences de ça? La première, on l'a déjà vu, c'est que le UVPCB a demandé aux exploitants de fournir les valeurs demi-heure de l'année de référence 2014 avec indication des conditions autres que normales qui étaient survenues pendant cette année, ce que les exploitants ont dû faire à la main, parce qu'évidemment, comme avant, on n'avait pas cette notion, il n'y avait aucune information qui disait « je suis… » où la ligne disait « je suis en NOC, je suis en NOC-NOC », et ils ont dû le faire après coup avec le cahier de quart, avec les informations qu'ils avaient par ailleurs. Et ensuite, donc le IPPCB, on l'a vu, a écarté toutes les valeurs NOC et même en a écarté d'autres qui n'avaient pas été indiquées par les exploitants parce qu'eux ont considéré que c'était des NOC. Donc, j'insiste là-dessus parce que ça sera quand même à garder en mémoire quand on définira les NOC au niveau de chaque usine. Alors, l'autre conséquence, c'est qu'il faut deux jeux de VLE pour les mesures en continu. Dans l'avenir, nous en aurons une pour la période relative au TIC, comme on a jusqu'à maintenant, qui comporte donc les conditions normales et certaines des conditions autres que normales. Et puis, on va avoir un nouveau jeu qui va être établi pour vérifier qu'on est en conditions normales dans les plages de bataille. Alors, à l'échelle européenne, certaines autorités trouvent que c'est plus simple d'oublier tout ça et de remplacer les valeurs actuelles par les nouvelles. Mais ça va beaucoup plus loin que ce que demande l'Europe, et surtout quand en plus, certains pensent qu'il faut fixer des valeurs qui ne soient pas les hauts de plage, les hauts de plage bataille. Donc, une vraie question là-dessus, un point délicat qu'il faut avoir bien compris, analysé, pour débattre des questions des conditions du permis dans l'avenir. Alors, ce petit tableau résume l'ensemble des anciennes et des nouvelles VLE pour les différentes substances. Donc, vous avez dans la dernière colonne à droite les valeurs qu'on a aujourd'hui pour les mesures en continu, donc en R et OT, et pour les mesures en périodique, en NOC. Et vous avez dans l'avant-dernière colonne les nouvelles VLE qui sont basées sur les bataels. Donc, vous avez tout ça en NOC. On a, comme je viens de le dire, des valeurs… on a deux jeux de VLE pour certaines mesures en continu.
L'échantillonnage en continu pour les dioxines furanes et le mercure, si on ne fait pas de la mesure en continu, sont en neutre pour les nouvelles VLE. Et en périodique, donc, on va se retrouver avec de nouvelles valeurs en conditions normales d'exploitation. Il y en a toujours les anciennes. Bon, la plupart du temps, comme les nouvelles sont plus contraignantes que les anciennes, on pourra considérer que ce sont les mêmes ou en tout cas oublier les valeurs périodiques qui sont dérivées de qui sont données dans l'annexe 6 de l'IED ou qui en sont dérivées. Alors la définition des NOC, ben, c'est clair, il n'y en a pas. La seule chose qu'on sache, c'est que ce qui est NOC n'est pas haute NOC et ce qui est haute NOC n'est pas NOC. C'est déjà pas mal, mais ça ne va pas plus loin. Les haute NOC ne sont pas définis non plus, mais il y a dans les textes des exemples d'OTNOC. Donc, vous les avez là, c'est ce qui est souligné dans l'IED elle-même, article 14.1F et article 47. On vous signale comme OTNOC, on donne comme exemple d'OTNOC les opérations de démarrage, d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés, les arrêts définitifs et les pannes. Et dans la directive 2012/119/EU pour l'élaboration des brefs, on cite en plus de cela le contournement des systèmes de réduction, bypass en bon français, et puis l'entretien régulier, les conditions exceptionnelles. Alors, dans la colonne de droite, j'ai repris de ces autres notes ceux qu'on retrouve dans le R et OT. Donc, évidemment, le 4 et le 5, arrêt momentané et définitif, sont exclus du R et OT, mais aussi en 1, on a seulement une partie du démarrage et de l'arrêt qui va se retrouver en RAOT, hein, toujours parce que la première phase du démarrage au roller seul n'en fait pas partie et la deuxième phase de l'arrêt au roller seul n'en fait pas partie. Sur ce schéma chronologique, j'ai essayé d'illustrer le passage de NOC en NOC et retour de l'installation lors d'un démarrage. Donc c'est chronologique, hein, la flèche représente le temps. Au départ, la ligne est arrêtée, on est en OTNOC, OR et OT. Ensuite, on démarre le brûleur et on va se retrouver en OTNOC, mais on est en OR, on n'est toujours pas dans le R et OT, puisque le marche au brûleur est exclu. Ensuite, on commence à mettre des déchets. Là, on est toujours en OTNOC, mais on est en R et OT. Et on doit de rester des VLE de l'annexe 6. Ensuite, on arrive à un état stationnaire stable et dans ce cas, on passe en situation de condition normale. Donc là, on voit les deux jeux de VLE, hein, celle qui dérive des batailles en plus des autres. Et puis, j'ai supposé qu'on avait un entretien en ligne. On débranche un appareil pour pouvoir procéder à son étalonnage, par exemple. Donc là, on est en haute NOC, mais on reste en R et OT. Donc on doit toujours les VLE de l'annexe 6, mais on ne doit pas respecter les VLE dérivés des batailles. Bon, puis ensuite, on repasse en NOC, ensuite on a une nouvelle situation haute NOC, on repasse en NOC, etc. Et puis après, vous avez l'arrêt qui est le pendant du démarrage. Donc, ceci pour illustrer les différents passages. Alors, qu'est-ce qui manque là-dedans? Eh bien, on l'a déjà dit que les batailles sont établies en NOC. Heureusement, c'est écrit dans la directive elle-même. Que les VLE devraient être fixés en NOC. Heureusement, ça aussi, c'est écrit dans la directive. Les définitions claires de NOC et haute NOC. Donc, dans le guide dont on parlera tout à l'heure, nous avons fait des propositions à ce sujet. Les règles de calcul, comment calculer une moyenne journalière en NOC alors qu'il y a quelques demi-heures de la journée qui sont en haute NOC, voire des portions de demi-heures. Quel est le nombre de valeurs non valides admissibles dans une journée pour faire le calcul? Un point très important, c'est que donc, comme déjà dit, l'ancien bref était sous l'IPPC, que les batailles qu'il contiennent ne sont pas applicables sous l'IED, et donc il ne faut pas essayer de faire des VLE dérivés de Batael de l'ancien bref. Le IPPCB a été très clair. Les VLE demi-heure de l'annexe 6 sont un filet de sécurité suffisant et on n'a pas besoin de rajouter des
nouvelle VLE demi-heure pour l'ENOC, surtout que, comme on est en NOC, il n'y a pas tellement de raisons que les valeurs soient plus élevées. Et le fait que l'échantillonnage long terme soit habituellement aéroté, là, c'est le sujet que j'abordais pour les dioxines et les furanes. Ils se sont bien gardés de dire qu'ils fixaient des NOC pour quelque chose dont ils n'avaient des valeurs qui provenaient que de situations en EOT, puisqu'il n'y avait pas moyen, évidemment, quand on prend une cartouche, de dire qu'il y a une partie des dioxines qui provient de la partie NOC et une partie qui provient de la période haute NOC. Alors, pour illustrer la différence avec l'ancien bref, ce graphe est assez intéressant. Vous avez là les jours, à chaque point, c'est une moyenne jour, et il faut savoir que le bref de 2006 a été fait à dire d'experts. Il n'y a pas eu de prise d'échantillons, il n'y a pas eu de remontée d'informations des exploitants. Donc, quand on vous demande quelles sont les performances d'une installation, vous dites tout naturellement que cette installation, en voyant ça, elle tourne entre 1,5 et 4 mg. Donc, les bataels de l'époque, c'était des valeurs typiques comme ça. Aujourd'hui, puisque les bataels deviennent des valeurs plafond pour les futurs VLE, ce sont les points maximum qui nous intéressent, ceux qui sont encerclés en orange, en supposant qu'ils étaient en NOC, hein, ce qui est le cas pour cet exemple-là. Et donc, les bataels de l'époque, on aurait dit ça va aller de 1 à 4. Et par contre, la bataille actuelle, sur la base de cette usine, eh ben, la valeur max, c'est 6,5. Donc, il ne faut surtout pas aller chercher les anciennes batailles pour les appliquer sous le nouveau régime. Alors, un point intéressant à garder à l'esprit aussi, c'est la façon dont on met en évidence que les émissions ne dépassent pas les valeurs batailles. L'article 15.3 que j'ai déjà évoqué, qui demande ça, propose deux solutions. À gauche, vous avez la solution A, 15.3A, qui dit soit on fixe des VLE qui ne dépassent pas les batailles. Donc, sur le schéma en bas, vous avez la plage batael qui est remplie en bleu. Et j'ai mis deux exemples de VLE qui ne dépassent pas. Une qui est en haut de plage, puis une qui est un peu en dessous. Dans ce cas-là, effectivement, si on ne dépasse pas ces VLE, on est sûr qu'on ne va pas dépasser la plage batael. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 15.3b dit qu'on peut aussi avoir des VLE qui sont supérieurs à la plage batael, à la condition qu'au moins une fois par an, on s'assure que les véritables émissions ne sont pas sorties de la plage batael. On dit qu'elles n'ont pas été supérieures au haut de plage batael. Alors ça, c'est intéressant dans la mesure où on pourrait imaginer d'avoir des VLE inchangés et que simplement l'autorité vérifie en fin d'année qu'il n'y a pas eu de dépassement. Ce sont les Allemands qui ont demandé à avoir cette spécificité parce que violer une VLE est un crime environnemental en Allemagne et simplement ne pas constater qu'on est dans une plage batael est moins important d'un point de vue légal que de dépasser une VLE. Bon, c'est surtout intéressant dans le cadre du réexamen. Ça va permettre de montrer que les installations sur la base des émissions passées étaient déjà dans la plage des batailles. Voilà. Avez-vous des questions, Lucille ? Eh bien, écoutez, nous allons donner la possibilité de poser des questions. Donc, je vous rappelle, c'est le petit module Q et R. Si vous voulez qu'on prenne un temps d'échange avant de parler mâche fer et plan liquide. Donc, comme il faut les noter par écrit, je vous laisse le temps de les écrire. Et puis, dès que je les vois s'afficher, je les partage à Hubert de Châteaubien. Alors, pour le moment, je n'en ai pas. Vous êtes peut-être encore en train de l'écrire. C'est le petit icône Q et R pour poser la question. De toute façon, après, sinon, on pourra toujours la prendre dans la suite de l'intervention qui n'est pas terminée du tout.
Pas de questions? Je propose qu'on continue. Bon, alors, comme les sujets les plus importants sont à la fin, je vais aller assez vite sur MACHFER et calcul de l'efficacité énergétique. MACHFER et effluents liquides, on va regarder rapidement la question des définitions. Les MTD s'appliquent au traitement des MACHFER et la définition qu'on en a dans la directive cadre déchets exclut clairement ce qui peut être fait sur l'usine d'incinération avec les MACHFER, à la condition évidemment que l'installation de traitement des MACHFER ne soit pas sur le lieu même de l'usine d'incinération. Mais la manipulation des MACHFER, le stockage temporaire et c'est extrêmement clair, l'extraction, l'extraction des pièces métalliques importantes, comme on a souvent à la sortie de l'extracteur, ne fait pas partie de ce qui est considéré comme un traitement. En d'autres termes, la plupart des MTD, des conclusions MTD qui s'appliquent au traitement des MACHFER, vise essentiellement les installations de stockage, de traitement des MACHFER postérieures à ce qui se passe dans la partie incinération elle-même. Alors, une exception, c'est des abrelés dans les MACHFER. Évidemment, ça s'adresse directement à la partie incinération. Donc, on doit mesurer une fois tous les 3 mois, soit la perte au feu, soit le carbone organique total, avec la valeur bataël qui est de 1 à 3 pour… Enfin, c'est pas bataël, pardon, bataël, là, c'est un des… c'est sur les performances environnementales. Hein, je l'ai dit, on a l'efficacité énergétique et puis ça, et qui sont des bataël, non bataël, les deux seuls. Donc, on a soit de 1 à 3 pour les carbones totaux, soit de 1 à 5 pour la perte au feu dans les MACHFER. Donc, c'est bien clair, hein, c'est l'un ou l'autre. Et si les valeurs hautes correspondent à ce qu'on a dans l'annexe 6 de l'IED, donc rien de bien nouveau. Par contre, les bas de plage sont difficiles à atteindre. D'ailleurs, la note 2 de bas de plage du tableau indique clairement que c'est essentiellement avec des lits fluidisés ou avec des fours tournants qu'on peut arriver à atteindre ce niveau bas des brûlés. Pour la question des poussières, les conclusions BAT proposent une liste de techniques et demande qu'on en utilise une combinaison appropriée. Ça veut dire clairement qu'on n'est pas tenu de les mettre tout en œuvre. Il faut les mettre en œuvre en fonction de ce qu'on a sur son installation et de l'opportunité qu'il y a à le faire. En particulier, la technique F, qui demande à ce qu'on enferme la zone poussiéreuse et qu'on la maintienne en dépression avec extraction de l'air pour pouvoir en sortir les poussières, est réservée à des cas particuliers. C'est clairement dans le cas où on a soit un extracteur MACHFER à sec, donc sans utilisation d'eau pour la trempe, soit on est pour une raison ou pour une autre des MACHFER qui ont une humidité très très faible. Alors pour cela, on doit faire une mesure une fois par an dans l'air extrait qui doit être traité avec un filtre à manche et on doit avoir une valeur d'émission dans la plage qui est donnée, donc de 2 à 5 mg par mètre cube. Donc la conclusion BAT numéro 35 demande qu'on traite les MACHFER, on l'a dit, indépendamment des… Enfin, plutôt qu'on ne mette pas les résidus de traitement des fumées dans les MACHFER.
Ça a été légèrement corrigé. Initialement, c'était les cendres volantes aussi, mais à la demande de la Grande-Bretagne, il a été reprécisé que c'était seulement pour l'ensemble des réfiums. C'est-à-dire que dans les pays où on a encore le droit de le faire, les cendres sous chaudière peuvent être mélangées au mâche-fer. Alors, il y a dans la conclusion MTD 36 une phrase qui est un peu surprenante, qui recommande d'utiliser une combinaison de techniques, là, ABCDEF, selon les besoins et selon les propriétés de danger des bottomages. Bon, ça a été ajouté à la suite de discussions sur les déchets dangereux, puisque vous savez que les mâches-fer de déchets dangereux sont dangereux. Et ça n'avait aucune implication sur ce qu'on pourrait imaginer de penser des mâches-fer de déchets municipaux. Comme je crois l'avoir déjà dit, donc le traitement des eaux, tel qu'il est abordé dans les conclusions MTD du document, s'applique exclusivement aux eaux résiduelles du traitement des mâches-fer et à celle du traitement des fumées. Mais les eaux de l'extracteur à mâche-fer ou du stockage des mâches-fer et les autres eaux qu'on peut avoir sur l'installation ne sont pas visées par ces batailles, en tout cas, pour les émissions des eaux. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire du tout. Simplement, stricto sensu, ce sont exclusivement ces eaux-là qui doivent être traitées. On a vu avec quels résultats qui sont attendus là, selon que c'est direct ou indirect. Vous reconnaissez ce tableau que j'ai présenté tout à l'heure. Donc là, on a simplement surligné, enfin entouré plutôt, les obligations qui s'appliquent aux eaux issues de traitement des mâches-fer. On voit qu'on en a cinq qui sont essentiellement donc les matières totales en suspension, les COT, le plomb, l'azote ammoniacal et les substrats. Voilà. Alors, est-ce qu'on attaque directement l'efficacité énergétique, puis après on pourrait faire une pause? On peut faire ça pour prendre. J'avais une question sur la partie NOC. Ah bah allons-y. Allez. Alors on va la prendre. NOC. Ouais. C'est une question de votre point de vue, Hubert de Chef de Bien. Quelle quantité d'heures NOC et hot NOC peut-on prévoir comme raisonnable dans une installation? Alors, nous avons fait des supputations à ce sujet. Dans le cadre du guide que je vous présenterai à la fin, de façon précisément à estimer rapidement, pour le passé, quelles étaient les performances de l'installation. Est-ce qu'elle était capable de rester dans les plages bataille ou pas? Et on est arrivé à la conclusion, notamment en regardant les résultats des questionnaires que j'ai évoqués, là, qui ont été utilisés pour fixer les batailles, on est arrivé à la conclusion que c'était de l'ordre de 98% de la période de l'EOT qui se trouvait en NOC et que la période haute NOC, donc selon les installations cette année-là, a varié de 0,5% à peut-être 3% à peu près. Mais bon, dans le futur, on ne pourra pas faire une approche statistique comme ça. Nous la proposons, comme je disais, pour regarder les performances passées des installations, mais dans le futur, clairement, il faudra identifier les périodes haute NOC, d'une part, de façon à s'assurer de la conformité avec les VLE dérivés des batailles, mais aussi, on va y venir, à propos de la conclusion MTD qui requiert qu'on fasse qu'il y ait un plan de suivi des autres NOC de façon à comprendre leur cause et à tenter d'y remédier. On verra aussi qu'on a obligation de faire quelques mesures pendant ces périodes haute NOC
de façon à mieux appréhender les phénomènes et évidemment à tenter de les réduire. Et je pense, sincèrement, je pense que c'est une bonne chose. L'expérience que j'ai, c'est que quand on est en autonome, on ne cherche pas trop à comprendre ce qui se passe. On dit oh, ben, j'ai un problème, donc je laisse tomber. Je cherche à remédier pour me remettre en situation normale de fonctionnement. Mais c'est intéressant d'étudier un peu plus finement. Je vous montrerai tout à l'heure une observation que nous avons faite dans le cadre des études que nous faisons en ce moment avec le SBTU sur la mesure en continu du mercure, où précisément on a commencé à avoir des choses intéressantes sur ce qui se passait lors d'un arrêt non programmé. Parfait. Eh bien, je propose qu'on continue, à moins qu'il y ait des questions à poser sur cette partie effluent liquide et mâche fer. Donc, si on va se prendre une petite minute pour que vous ayez le temps de noter vos questions à l'écrit si vous en avez par rapport à cette question sur les mâches fer et rejet aqueux que vient d'évoquer Hubert de Chef de Bien. Et d'ailleurs, si vous en avez sur les parties précédentes, on peut aussi les reprendre. Donc, je vous rappelle, pour poser la question, il y a le petit module qui s'affiche quand vous bougez la souris qui s'appelle Q et R. Vous cliquez dessus et vous notez à l'écrit votre question. Donc, c'est pour ça qu'on prend un petit temps de pause pour que vous ayez le temps de noter à l'écrit votre question. Et si toutefois on était déjà reparti dans le calcul de l'efficacité énergétique, on prendrait le temps d'y répondre un petit peu après, comme on vient de le faire pour la question qui était posée sur les NOC et OPNOC. Voyez-vous quelque chose venir ? Alors là, je n'ai pas d'autres questions. Je propose qu'on avance et D'accord. puis on appliquera la solution que j'ai proposée. On reprendra le temps de questions à l'issue de la session 7. OK. Donc, le calcul de l'efficacité énergétique. On va distinguer trois cas, comme vous allez le voir. On va souligner le fait que ça se fait à partir de tests de performance s'ils sont disponibles et sinon des valeurs design. Ensuite, on dira deux mots des limites pour le calcul. Et puis, on montrera les façons, enfin, sans le détailler, l'exemple de calcul dans les trois cas. Et enfin, un point important, parce qu'on a souvent des questions là-dessus, ce sont les différences entre cette approche de l'efficacité énergétique et la fameuse formule R1 que tout le monde connaît depuis quelques années. Donc, premier point, il fallait faire des formules qui soient simples. Et on a été amené à définir, à cause de ça, un système dans lequel on puisse, si nécessaire, additionner l'énergie sous forme électrique et sous forme de chaleur sans utiliser les coefficients qui sont utilisés dans la formule R1. Donc, on a distingué un cas 1 qui est celui des installations qui produisent de l'électricité, a priori exclusivement de l'électricité, et celles-ci nous sont apparues équipées toujours d'un turbo-alternateur à condensation. À côté de ça, on a les installations qui font exclusivement de la chaleur, c'est-à-dire que toute l'énergie récupérée par la chaudière sous forme de vapeur ou d'eau surchauffée est utilisée sous forme de chaleur dans un réseau de chaleur ou par un industriel client. Après, on a le cas le plus difficile, bien sûr, qui est la cogénération. Donc, on a distingué comme critère le fait qu'il y avait un groupe turbo-alternateur à contre-pression.
Et là, nous disons qu'on se trouve dans le même cas que le cas tout-chaleur, puisque dans ce cas-là, on n'a pas la grosse perte qu'on a dans une turbine derrière une turbine à condensation avec la condensation de la vapeur. Et on ramène donc les cas de cogénération avec GTA à contre-traction au cas numéro 2, et on va additionner dans ce cas-là la puissance électrique et la puissance thermique. Là où ça se complique, c'est quand on a sur la même installation un GTA à condensation ou qu'on a une cogénération avec un GTA à condensation avec extraction ou tout autre schéma encore plus compliqué. Donc, retenez ça, on a K1, K2, K3, K1 et K2 étant les deux cas qui sont indiqués dans les conclusions MTD, et le K3 étant un cas hybride qu'on va essayer de rattacher aux deux précédents. Alors, comment on s'y prend pour faire ça? Pour les nouvelles UVE, on va se fonder sur le cahier des garanties. Et puis, une fois que l'installation sera démarrée, on vérifiera que les performances sont atteintes lors des tests de performance à pleine charge qui sont faits sur l'installation. Sur les UVE existantes, s'il y a des tests de performance qui ont été faits, même si c'était il y a 30 ans, on pourra se fonder sur ces tests de performance pour faire le calcul. Si les documents ont été égarés ou si les tests n'ont pas été faits, on pourra utiliser éventuellement les valeurs de design de l'installation dans des conditions de test de performance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans des conditions de test de performance? Ça veut dire qu'on ferme tous les consommateurs temporaires, qu'on se met dans des conditions optimales pour vérifier la capacité de récupération de la chaudière sur la base de ce qui est communément utilisé dans la profession, le fameux guide FTPR, qui donne les indications à ce sujet. Alors, un autre problème qu'on a, c'est que bien souvent, on a des tests de performance qui sont faits d'une part sur les chaudières, d'autre part sur les GTA, pas forcément ensemble, d'autant que parfois des lignes ont été ajoutées, le GTA a été ajouté ou remplacé, parfois il prend la vapeur de 2 lignes sur 3, enfin voilà, et qui plus est, la plupart du temps, on ne fait pas de test de performance sur les échangeurs de chaleur, ni sur les canalisations d'export de vapeur, pour la bonne raison que le jour où on fait le test de performance, le réseau de chaleur n'a pas forcément besoin de consommer l'énergie maximale pour laquelle le réseau a été dimensionné, et pareil pour l'utilisateur industriel. Dans ce cas-là, on utilisera presque obligatoirement les valeurs de design au nominal. Dans ce tableau, on a essayé de résumer un peu la situation. Vous avez dans la deuxième colonne donc, les conditions pour les installations nouvelles et dans les deux colonnes de droite, les installations existantes avec modification et sans modification de l'installation pouvant significativement modifier l'efficacité énergétique. C'est comme ça que les conclusions MTD sont rédigées. Il s'agit de définir, et pas beaucoup de précision là-dessus, les modifications qui peuvent être apportées à l'installation et qui font qu'on sera dans les mêmes conditions qu'une usine neuve. C'est-à-dire qu'il faudra refaire les calculs. En fait, tout ce qui modifie, on peut le résumer comme ça, tout ce qui va modifier l'efficacité, le calcul de l'efficacité énergétique conduit à dire qu'il faut refaire un calcul. Alors ensuite, on distingue la période d'obtention de l'autorisation d'exploiter. Dans les deux premiers cas, on va faire ça, comme je disais, à partir des valeurs de design. Évidemment, parce que l'installation ne tourne pas encore dans le premier cas et dans le deuxième cas, parce qu'on n'a pas encore fait les travaux. Et après, une fois que les travaux ont été faits, on fera un test de performance pour s'assurer
que le résultat sont conformes à ce qui avait été annoncé. Alors, pour les usines neuves, on fera tous les tests de performance. Pour les usines existantes, on pourra ne faire que les tests de performance sur les éléments qui ont été modifiés. Bon, et dans tous les cas, comme on disait, sur les échangeurs de chaleur et les canalisations d'export de la vapeur, on va utiliser les valeurs design. Ce schéma, ce très beau schéma, indique les limites de l'installation. Vous voyez qu'il y a dans cette installation l'usine d'incinération avec trois lignes, numéro 1, 2, 3, et puis deux turbo-alternateurs, un échangeur, et il y a différentes solutions qui sont envisagées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que ce schéma provient du bref, mais dans le chapitre 3, donc il a un caractère officiel certain, et il a été repris, je crois, dans l'annexe où on traite du calcul des performances et de l'efficacité énergétique. En tout cas, il est repris dans le guide de la profession, déjà évoqué de multiples fois, pour expliciter comment on doit faire le calcul. Alors, vous voyez les petites barres jaunes qu'on a mises à différents endroits, QTH, QDE, Q, je ne sais plus quoi, qui sont les éléments qu'on va retrouver, WE, là, qu'on va retrouver dans les formules du calcul énergétique de façon à bien clarifier ce qui devait être pris en compte ou pas. Donc voilà les formules. Vous avez le cas 1, production toute électrique. Vous avez le ratio entre la puissance électrique de sortie et la puissance à l'entrée. Et puis un petit rapport qui va dans le bon sens et qui permet de soustraire au dénominateur la consommation interne de l'installation. Ça, c'est pour le cas 2. Donc là, on fait principalement de la chaleur ou alors on fait de l'électricité à travers un turbo-alternateur à contre-pression. Donc la vapeur qui sort de la turbine va pouvoir être utilisée sans perte de la chaleur latente. Hein, et c'est comme ça qu'on trouve dedans où est-ce qu'elle est, l'énergie électrique, thermique. Donc on a ici QDE, transport direct de vapeur, échangeur de chaleur, énergie thermique, QI. Ah ben je retrouve pas, ah, si WE, suis-je bête. Donc on a mis en premier l'électricité, voilà, et ça c'est toutes les sources de chaleur avec une addition, comme je vous disais, sans coefficient entre l'électricité et la chaleur. Bon. Ça, c'est expliqué aussi dans les annexes du bref et deux, dans le guide de la profession. Bon, et là, on ne va pas s'arrêter dessus. Ce sont les exemples de consommateurs internes que l'on peut prendre en compte dans le calcul et qui viennent en réduction donc du dénominateur. Les valeurs des batailles avec deux œufs donc, sont données ici. Dans le cas numéro 1, ça va être un pourcentage qui va aller de 20 pour les usines existantes ou 25 pour les nouvelles jusqu'à 35%. Et pour la production de chaleur, c'est 72 à 91%. Alors, le 35% est extrêmement élevé. Aucune installation parmi les 330 n'est arrivée. Il y en a qui sont arrivés à 34, ou quelque chose. Mais c'était avec des pellettes de bois et il y a deux installations qui doivent être aux alentours de 33,5%. En Italie, qui a été conçu à une époque où l'électricité était très très bien payée, et donc ça valait la peine de mettre un cycle thermique compliqué. Donc le 35% est véritablement très 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 élevé. Pour ce qui est de la chaleur, c'est pareil, pour les usines existantes, le 72% peut être difficile à atteindre, et la difficulté qu'on a dans ce cas-là, c'est que si on n'a pas de consommateur, il est un peu étonnant de devoir être très performant dans la récupération pour se débarrasser ensuite de la
vapeur qu'on a récupéré. Bon, alors, le point pour le problème, c'est que si on n'arrive pas à atteindre les bataïles, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça rejoint ce que je disais. On l'a déjà dit, ce ne sont pas des obligations contraignantes réglementaires. Et donc, on peut penser qu'il n'est pas absolument indispensable de les mettre en œuvre. C'est une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on doit voir si on peut améliorer les choses, mais il n'y a pas l'obligation de résultat. Bon, et l'autre question qu'on se pose, c'est que faire si on n'est ni dans le cas 1 ni dans le cas 2 ? Eh bien, on va essayer artificiellement de diviser en deux l'installation. Par exemple, si on a un GTA contre-pression, un GTA condensation, on dira que le GTA condensation doit être analysé comme dans le cas 1 et l'autre comme dans le cas 2. Et on va partager l'énergie apportée par la chaudière aux deux GTA entre les deux. Alors, il va falloir faire des règles de 3, hein, c'est pareil. De toute façon, quand on a un test de performance chaudière qui a été fait le jour X et puis le GTA qui a été fait le jour Y, on n'a pas le même débit de vapeur qui sort de la chaudière et qui entre au GTA, puisque ce n'était pas le même jour ou parce qu'il y avait une des lignes qui était arrêtée ou Dieu sait quoi. Donc, il va falloir faire des adaptations. Bon, là, on a un autre cas où on a le corps HP qui prend toute la vapeur et à la sortie, une partie de la vapeur est envoyée à un industriel. Il n'y a qu'une partie de la vapeur donc, qui va au corps BP. Dans ce cas-là, artificiellement, on va découper l'installation, comme vous voyez sur le dessin, avec un K1 en prenant une partie du corps HP et tout le corps BP, et un K2 qui correspond à une situation où on aurait un turbo-alternateur à contre-pression. Alors, brièvement, pour répondre à la question, quelle différence avec le R1 ? La réponse est dans ce tableau. Là, on n'évalue pas ce qui a été effectivement récupéré pendant une année civile par l'installation, mais sa capacité à récupérer. Ensuite, on a donc un calcul qui est fait une fois pour toutes dans l'autorisation d'exploiter. Ce n'est pas un calcul à refaire chaque année. Ensuite, on additionne directement dans le cas 2 électricité et chaleur sans facteur multiplicatif. Et puis, dans les deux cas, donc, on va comparer à des plages qui sont là aussi pas absolument contraignantes, puisque dans le cas du bref, on l'a vu, les bataïles n'ont pas une obligation aussi forte que les bataïles. Et dans le cas du R1, on a toujours la possibilité de rester des 10. Voilà. Donc, eh bien, nous allons prendre un petit temps d'échange, puisque nous avons une question qui nous revient sur la partie précédente sur les mâches fer et effluents liquides. La question était la suivante. Confirmez-vous que les unités IME traitant moins de 75 tonnes de mâches fer par jour ne sont pas concernés par la réglementation ? Alors, la réponse est oui, si elles font un peu de valorisation. La réponse est non, si elles ne font que de l'élimination des mâches fer. En effet, le seuil, on fait que l'élimination, n'est pas de 75, mais de 50. C'est ce qui est écrit dans le domaine de définition du bref. Et ce qui, sauf erreur de ma part, reprend les critères qui sont donnés dans l'IED pour savoir si oui ou non l'installation est soumise aux obligations de l'IED. D'accord. Alors, j'avais une autre question, mais la réponse y a été apportée en direct. N'hésitez pas à partager pendant qu'on apporte la réponse à cette question-là, enfin on apporte des compliments, à partager vos questions. Je les vois bien arriver, hein, je vous rassure, elles arrivent bien. Et donc, si vous voulez prendre le temps de les écrire, puisqu'il faut effectivement les écrire, faites-le maintenant pendant que je prends les questions suivantes. Donc, c'était quelle est la finalité de l'efficacité énergétique puisque non contraignant réglementairement ? Mais la réponse y était apportée à l'instant dans la présentation. L'IED impose
que alors l'IED définit les BRES, ce qui n'était pas le cas de la directive BPC, impose que les autorisations d'exploiter soient basées, enfin se réfèrent aux conclusions MTD et impose que les VLE font en sorte qu'on ne dépasse pas, que les émissions ne dépassent pas les valeurs BATAEL. Mais pour toutes les autres BATAEL, hein, donc nous on a vu il y a l'efficacité énergétique, il y a les imbrûlés. Dans d'autres bref, on va tourner, trouver des consommations, on va trouver de réactifs, de ceci, cela, d'énergie, on va trouver, je ne sais pas quoi encore, des performances d'abattement, etc. Tout ça, ce n'est apparu que dans le document que j'ai évoqué là plusieurs fois, qui est le document, les règles pour l'élaboration des brefs. Donc, ça n'a pas de valeur réglementaire, mais clairement, la tendance est que la Commission voudrait essayer de pousser aussi à ce que toutes ces performances soient mises en œuvre. Et donc, c'est le progrès. Et donc, petit à petit, on essaye de pousser à ça. Et donc, ne pouvant pas les rendre obligatoires, ils font des incitations de façon à pousser les États membres, les exploitants, à aller dans un sens qui est plus vertueux. Donc, ce qu'on écrivait à propos des batailles, il y a une obligation de moyens de chercher si on peut améliorer, mais on ne doit pas considérer que l'installation qui ne peut pas, pour des raisons X ou Y, et notamment parce qu'elle n'a pas d'utilisateur, arriver à ces niveaux ne soit pas MTD. Alors, est-ce qu'il y a une sanction si on n'atteint pas les seuils BATAEL? BATAEL. Oui, non, c'est BATAEL. Non, c'est BATAEL. BATAEL, je parle. Écoutez, je ne sais pas encore, on discute au sein du groupe de travail miroir avec le ministère sur un certain nombre de ces questions. Nous avons soumis nos propositions, dont beaucoup sont dans le guide, à ce propos, et le ministère nous a fait savoir qu'il étudiait nos propositions pour voir ce qu'il fallait en penser. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de réponse ferme et précise du ministère de l'Environnement sur cette question. Mais a priori, le ministère a été tout à fait réglo, je dirais, en n'essayant pas d'ignorer ce qui est écrit dans les textes, c'est-à-dire que contrairement, comme je vous disais, à certains États membres qui disent bon, les BATAEL c'est seulement en NOC, mais nous on s'assied dessus, on va les mettre tout le temps. Le ministère français est très réglo là-dessus, il dit non, elles ont été définies en NOC, donc c'est en NOC. On peut penser que sur les BATAEL, ils feront pareil, en disant il n'y a pas d'obligation absolue de les appliquer, donc on essaye de le faire, mais s'il y a de bonnes raisons de ne pas le faire, voilà. Je ne sais plus, il y a un guide qui est en cours de finalisation pour la mise en œuvre des brefs. On va en discuter après-demain au ministère. Et il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans. Il faudrait que je le vérifie. Si vous envoyez la question par écrit, je vous dirai si j'ai retrouvé quelque chose dans ce guide dans les jours qui viennent. Très bien. Alors, autre question, enfin, c'était, je pense, une remarque qui était partagée avec la réponse à la question précédente. C'était les incitations financières, peut-être, qui peuvent jouer sur le… Alors, la question, c'était sur le fait que l'efficacité énergétique n'était pas contraignante réglementairement. Et donc, la réaction de la personne qui posait la question, c'était incitation financière. Alors, éventuellement, je vous laisserai apporter des compléments pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair que juste incitation financière point d'exclamation. Et des compléments aussi avec le point d'interrogation qui a été partagé à la suite. En attendant, je vais prendre la question suivante qui était posée. L'efficacité énergétique n'a pas de valeur obligatoire, mais le secteur pense déjà à introduire une correction selon les conditions climatiques. Comment fait-on pour le R1 ? Comme fait pour le R1, je repose la question. L'efficacité énergétique n'a pas de valeur obligatoire, mais le secteur pense déjà à introduire une correction selon les conditions climatiques comme fait pour le R1. C'est une question, en fait. Non, pas vraiment. Comme je vous disais,
notre compréhension et qu'il faut faire un effort pour essayer d'atteindre les bataillines pour les installations existantes qui n'y sont pas encore naturellement. Et ensuite, ça fait partie des choses qu'il faudra discuter avec l'autorité compétente et, en apportant les preuves, les justifications du fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison suffisante de vouloir atteindre ces niveaux simplement parce que c'est proposé dans les batailles. L'idée, c'est quand même, revenons au point de départ, l'idée, c'est d'avoir une approche intégrée. On prend en compte, une douzaine de critères qui sont indiqués dans l'annexe 3, je crois, de la directive, et qui se rapportent en plus à la définition des MTD. La définition des MTD, il est dit clairement qu'il faut avoir une approche qui soit économiquement et techniquement viable. Donc, le détenteur de l'autorisation d'exploiter aura le devoir, à nos yeux, d'aller... faire un dossier pour expliquer que dans son cas, s'il devait rajouter une chaudière, reconstruire l'usine, etc., ça entraînerait des coûts importants, que de toute façon, il n'y a pas le consommateur derrière et que donc, ça serait jeter l'argent par les fenêtres. Et normalement, l'autorité devrait accepter cette présentation qui rentre tout à fait dans le système intégré. Les batailles ont été fixées indépendamment de cet aspect économique. Il n'y a eu pratiquement aucune approche économique qui a pu être faite lors de l'élaboration du document. Et donc, un dossier bien fait là-dessus, à nos yeux, devrait tout à fait être recevable pour l'autorité. Très bien, alors question suivante. Dans le cadre d'une installation de cogénération orientée vers la production d'électricité, toute la vapeur produite est détendue, comment définir le coefficient correctif à appliquer à l'efficacité électrique brute afin de prendre en compte les échangeurs de chaleur? Oula. Alors, donc, on a une installation de cogénération qui est orientée vers la production d'électricité, en sachant que toute la vapeur produite est détendue. Comment on définit le coefficient correctif appliqué à l'efficacité électrique brute pour prendre en compte les échangeurs de chaleur? Il n'est pas dédié à l'électricité s'il y a des échangeurs de chaleur, c'est une cogénération. Oui, c'est ça, c'est une installation de cogénération et qui s'oriente vers la production d'électricité. Et donc, on est dans le cas 2. Et si on est dans le cas 2... Oui, alors, le cas 2 ou le cas 3, ça dépend. Enfin, je suis un peu embarrassé pour répondre comme ça au pied levé. Il faudrait voir un peu le schéma. Donc, pareil, apporter des précisions. Voilà, si comme vous ça, voulez ça bien, envoyez-moi un courriel en explicitant la situation de l'installation et j'essaierai de vous dire ce que nous en pensons. Mais là, je dois dire, c'est un peu difficile hein, dans l'abstraction totale de répondre à une question précise comme ça. Alors après, si jamais vous voulez apporter un ou deux éléments qui peuvent être plus simples pour... Non, mais déjà, on fasse ça après, voilà. Parce que là... Ça va être le cas particulier, mais peut-être que d'autres, justement, auront des cas un petit peu particuliers. Très bien. Ben, écoutez, je propose qu'on continue, puis je prends bien une note de vos questions qui apparaissent. Et donc, on pourra reprendre un temps à la fin de la session 8 pour répondre aux nouvelles questions, sachant que là, on était sur les incertitudes de mesure et que sur le... Oui, les incertitudes... Non, on était sur le calcul de l'efficacité énergétique, voilà, c'est ça. Et là, on arrive sur les mesurages et les incertitudes. Alors... pour la question qui était posée tout à l'heure avant qu'on continue sur le point d'interrogation les incitations financières, la réaction qui était partagée, en fait, n'est-ce pas le critère PE de la TGAP qui pousse à améliorer les performances de l'installation, du moins en France? Bien sûr, mais comme on le disait, la différence principale entre les deux, c'est que le PE ou le R1 s'intéresse
à l'énergie effectivement récupérée pendant l'année. Vous pouvez avoir une capacité considérable de récupération. Si derrière, personne n'utilise l'énergie que vous avez récupérée, elle n'est pas comptée dans le formulaire. Là, on est dans une approche complètement différente qui est celle d'une installation qui va être utilisée pendant des années, qu'on ne va pas revérifier chaque année. On s'assure qu'elle est capable de le faire. Mais on ne va pas vérifier ensuite que ça a été bien fait. Et ça, nous y avons beaucoup tenu parce qu'il n'était pas question à nos yeux que le permis soit remis en question chaque année par l'éventualité d'un défaut de clientèle. Donc, c'est la capacité de l'installation à le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de facteur de correction climatique dessus. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas, surtout pas mélanger les deux choses. Donc, on regarde la capacité de l'installation à faire. Et comme j'ai essayé de l'expliquer juste avant, à la condition que ça soit pertinent. Aller se mettre une chaudière de récupération qui va récupérer 92% de l'énergie des déchets alors que la seule utilisation possible va être un industriel qui a besoin de 75%, si on a une installation existante, ça n'a pas de sens. On peut imaginer de faire une cogénération, etc. Mais si on parle d'une installation existante, il faut regarder le prix que ça va coûter. C'est là clairement que l'approche goût-bénéfice, dans un cadre d'approche intégrée, doit être faite. Très bien. Je propose qu'on poursuive. Allez, là, c'est le gros morceau. Là, c'est le plus dur. Là, il faut être attentif. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. C'est un peu compliqué. J'ai essayé d'être le plus pédagogique possible, mais je ne suis pas sûr d'être arrivé à mes fins. Donc, accrochons-nous. On l'a déjà dit, les batailles sont dérivées, exprimées sans incertitude. Gros problème, l'étalonnage des instruments en ligne. On a des normes à la fois sur les méthodes de référence et sur les appareils en ligne, SRM, Standard Reference Method, et AMS, Automatic Monitoring System. Vous avez probablement entendu parler du rapport INERIS que nous avons fait faire pour clarifier ces questions. On va en redire quelques mots. Certains d'entre vous ont certainement déjà vu la collection de rapport CAL 2 qui illustre les difficultés d'étalonnage quand on a des valeurs extrêmement basses et constantes. Et enfin, on conclura avec les difficultés de mise en œuvre. Alors, cette diapo est très importante. Elle fait la liste de tous les problèmes qu'on rencontre avec le mesurage et l'incertitude. Vous voyez, il y a 12 points, c'est les travaux d'Hercule. Les BATAEL ont été établis sans tenir compte des incertitudes. Comment est-ce qu'on va les utiliser? Deux. Les BATAEL sont données sans information sur les incertitudes associées. 3. Les conditions de vérification de conformité des VLE basées sur les BATAEL ne sont pas indiquées dans les conclusions MTD. La seule chose qui soit dite, c'est qu'il faut respecter les normes. Ça, c'est l'aspect, je dirais, un peu légal, réglementaire. Maintenant, la technique. Les SRM devraient être beaucoup plus précises que les AMS. Les SRM, donc les méthodes de référence qui permettent de contrôler les appareils sur site, les AMS. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on contrôle l'appareil en ligne avec un appareil qui n'est pas plus précis que lui, voire moins précis. Les intervalles de confiance à 95% qui sont donnés dans l'annexe 6 de l'IED s'appliquent en principe aux appareils en ligne et à leurs périphériques, mais pas aux SRM. Donc, l'incertitude qui va être introduite par les SRM, elle disparaît complètement des écrans. Les incertitudes obtenues par les laboratoires qui mettent en œuvre ces méthodes de référence sont beaucoup plus élevées que celles qu'ils affichent. Parce qu'ils affichent, en fait, les performances qu'ils ont sans se préoccuper de ce que ça aurait donné si c'était un autre labo qui l'avait fait, comme on va le voir. Les tests de variabilité qui, selon la norme,
valide l'étalonnage, CAL2 qui est fait sur site pour vérifier que l'appareil en ligne marche bien. Il passe presque toujours si les émissions sont très basses et constantes. Donc, on va le voir sur les échantillons qui vont être montrés, que le test soit ridiculement mauvais ou bon, dans la plupart des cas, si on a un petit nuage bien en bas à gauche, ça va passer. Ça veut dire que le test est inadéquat. De manière générale, je pourrais résumer en disant que les normes qu'on a sur le mesurage sont inadaptées à avoir des valeurs plus basses que celles qu'il y a dans l'annexe 6 IED, et voire déjà qui sont inadaptées pour ces valeurs qui sont déjà trop basses pour les performances du monitoring. Donc, pour pouvoir satisfaire les exigences en termes de précision qu'il y a dans l'IED, hein, les fameux IC 95%, il faudrait remonter les VLE de celles de l'IED. Et vous imaginez bien que quand on est arrivé avec cette conclusion à Séville, les gens ont dit « vous n'y pensez pas, on ne va pas remonter les valeurs, on ne peut que les baisser politiquement, on ne peut pas les remonter ». Les BATAEL sont des valeurs brutes sans marge d'exploitation. Et là, on a un risque majeur, un risque légal sur la conformité, un risque pour l'ensemble des parties prenantes. Pourquoi ? Parce que si on nous demande de faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire parce que les appareils de mesure n'en sont pas capables, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va avoir un incineration gate comme le diesel gate, comme le Volkswagen gate, qui était bien ça ? On demande aux gens de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc là, on a voulu mettre sur la table ces difficultés de façon que l'ensemble des parties prenantes soient bien informées et qu'on évite d'aller demander aux industriels, constructeurs, exploitants, concepteurs de faire des choses qui ne sont pas faisables dans l'état de l'art du mesurage aujourd'hui. C'est un problème qui n'est pas seulement pour les précités, mais aussi pour les autorités, car c'est toujours ennuyeux pour tout le monde quand on n'est pas capable de faire ce qui est rendu obligatoire par des obligations un peu excessives. Alors après, des petits problèmes techniques. Il n'y a pas d'IC 95% pour les nouvelles substances en continu, mercure et ammoniac, et il n'y a pas de règle de soustraction d'incertitude du tout, d'ailleurs, pour les nouvelles VLE, et en plus pour les mesures en périodique et à long terme. Donc vous voyez, il y a un menu de choses à régler qui est quand même très significatif. Je n'ai pas la prétention de vous apporter des réponses à tout ça, mais je voudrais au moins que tout le monde ait les idées à peu près claires, je dis bien à peu près parce que c'est quand même très compliqué, sur toutes ces difficultés. Il faut garder à l'esprit quand on va discuter des futurs VLE. Alors, premier point, il est extrêmement clair que les données qui ont été remontées par les exploitants à Séville pour établir les BATAEL étaient sans soustraction de l'intervalle de confiance. Vous avez ici les instructions, hein, vous reconnaissez les petits rectangles jaunes, les instructions du questionnaire. Les données ont été remontées, corrigées, PET, O2, H2O, mais il n'y avait pas de soustraction des incertitudes. Point 2 et 3, les BATAEL atmosphériques qui ont été dérivés en NOC et en conditions standards, mais sans référence à une incertitude, sans indication sur le calcul des moyennes, la validité des données, etc. Et les conditions pour la mise en œuvre en conformité ne sont pas données. La seule chose qu'on sache, c'est que c'est en NOC, puisque c'est écrit dans la directive, et que ça doit être dans le respect des normes. Et on va le voir, c'est gentil de dire ça, mais malheureusement, aujourd'hui, les installations ne sont pas capables, au niveau des émissions extrêmement basses de l'incinération, de respecter ces normes. Bon, là-dessus, le IPPCB ajoute que les règles de vérification de conformité ne sont pas nécessairement les mêmes pour les nouvelles VLE qu'elles sont pour les anciennes. Ils disent que le chapitre 4 et l'annexe 6 et le chapitre 1 et le chapitre 2 de l'IED sont indépendants. Et leur position, c'est que tout ça doit être défini par les États membres qui sont un peu embarrassés pour se positionner sur les questions et qui auront probablement 27 et demi ou 28 solutions, hein, je ne sais pas ce que la Brexit,
pour apprécier la façon dont c'est. Et encore, si on regarde les Anglais, on aura peut-être une méthode pour la Grande-Bretagne divisée en trois selon qu'on regarde l'Écosse, le Pays de Galles ou l'Angleterre. Nous, professionnels, avons demandé à Ineris de nous aider sur ces questions difficiles. La question était la suivante. Est-il possible, avec les systèmes de mesurage disponibles aujourd'hui ou très bientôt, avec les VLE au niveau des matériels, de satisfaire aux exigences de l'IED, des normes européennes et aux contraintes physiques du mesurage? Alors, on va revenir sur la réponse, mais allons tout de suite aux conséquences. Vous avez sur le schéma de gauche la situation actuelle. On suppose, c'est le tireté bleu plutôt en bas du dessin, qu'on connaît la véritable valeur en exploitation. Alors, je sais bien que c'est une supposition parce qu'évidemment, on ne la connaît pas et en plus, elle n'est pas constante. Mais c'est pour le raisonnement qu'on la représente par une droite comme ça. Ensuite, vous avez le pavé vert qui indique l'incertitude maximum permise par les normes. Et puis, vous avez le pavé bleu qui indique quelles sont les incertitudes qu'on a à ce niveau-là. Tout en haut, dans le schéma de gauche, vous avez la VLE actuelle. Et vous voyez que même si l'incertitude du pavé bleu est plus importante que ce qu'elle devrait être selon les exigences indiquées dans le pavé vert, peu importe, parce qu'on exploite les lignes à des valeurs sensiblement plus basses que les VLE, et donc, on a les exploitants ont une marge qui leur permet d'être certains, même s'ils ne savent pas très bien où ils sont, d'être certains d'être en dessous de la VLE. Ils n'ont pas une grande précision sur l'endroit exact de leurs émissions, mais ils sont absolument certains qu'ils sont sensiblement sous la VLE. Dans la situation future, c'est le schéma de droite, on retrouve la valeur véritable, les deux pavés. La seule différence, c'est que depuis, on a les plages Bataël avec une future VLE basée sur la Bataël. Et du coup, du fait de l'incertitude de mesure, on risque de se trouver, à cause de l'imprécision de la mesure, à des valeurs qui sont supérieures à la VLE, d'où la difficulté qu'il y a et le risque d'insinuation gate, comme je disais tout à l'heure. Alors, pour comprendre un peu mieux tout ça, il m'a semblé utile de rappeler ce que dit la norme à propos des niveaux d'assurance qualité. Donc, pardonnez-moi pour ceux qui connaissent ça. Pour les autres, en deux mots, on a un CAL 1, qui est la certification initiale de l'équipement qui va être installé en ligne. C'est fait une seule fois par type d'appareil et on s'assure que l'appareil est approprié à l'usage. C'est fait toujours, par le TÜV en Allemagne ou par le MCERT en Grande-Bretagne pour toute l'Europe. Après, une fois que l'appareil a été reconnu approprié à l'usage et qu'il a été certifié avec certaines performances, on va s'assurer qu'il est conforme une fois installé sur site. Donc, on vérifie que l'installation a été correcte et on l'étalonne sur site. Comment fait-on ? On le fait au moyen d'une méthode de référence, la fameuse SRM dont je parlais tout à l'heure, et on doit le refaire à chaque fois qu'il y a une modification sensible, et sinon au moins tous les 3 ans. Et puis après, dans les années intermédiaires, on fait un petit CAL 2 de temps en temps, on fait une vérification de dérive qu'on appelle le CAL 3. Alors, ce qu'on ignore en général, c'est que les normes en vigueur, EN 1481, s'adressent exclusivement à l'AMS. C'est-à-dire qu'on suppose que la précision de l'appareil d'étalonnage, la SRM, va être bien meilleure que celle de l'AMS. Et comme vous voyez sur ce dessin qui est extrait de la norme, les limites de l'AMS telles que définies dans la norme comprennent même pas les systèmes d'acquisition et de traitement des données, ce qu'on appelle en anglais le DHS, qui sont explicitement exclus de ça. Si on regarde un peu plus en détail,
Les normes disent que quand on a une incertitude qui est donnée, comme celles qui sont dans l'annexe 6 de l'IED, les intervalles de confiance à 95%, 75% de cette allocation est pour l'AMS lui-même, l'appareil en ligne, et 25% pour ses périphériques, hein, puisqu'on va devoir faire des corrections PETO2, H2O. Donc, si vous avez, comme par exemple pour le HCL, 40% de 10 mg, qui est la valeur journalière pour le HCL, ça veut dire qu'on va avoir 75% 3 mg par mètre cube qui sont alloués à l'AMS et 25% qui sont alloués à PETO2, H2O tous ensemble. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a 0% alloué au système d'acquisition et de traitement des données et 0% alloué à la SRM. Et ça, c'est fort fâcheux parce que la grosse source d'erreur est là. Alors maintenant, une autre notion qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la façon dont on estime les incertitudes. Il y a deux grandes méthodes. La première, dite GOOM, c'est celle qui est utilisée notamment pour les certifications TUF et NCERT, c'est qu'on fait varier un certain nombre de critères, par exemple le voltage, par exemple la température, dans une plage assez élevée. On regarde le résultat que ça a sur la lecture. Et après, on fait la somme de toutes ces incertitudes. Alors, ce n'est pas une somme directe, c'est une somme quadratique, mais c'est comme ça qu'on calcule l'incertitude. Et après, il y a la méthode pratique qui est mise en œuvre sur les bancs d'essai pour l'accréditation des laboratoires, où on les met tous à mesurer la même chose et on regarde les écarts. Donc là, évidemment, les variations de température, de voltage sont moindres que dans le premier cas. Par contre, il y a beaucoup plus de sources d'erreurs, hein, c'est la vraie vie, vous avez des vraies personnes qui mettent en œuvre des vrais équipements dans des conditions véritables, hein, et il peut y avoir du vent, il peut faire chaud, ça peut être sur un calvautis qui est à 10 mètres d'altitude. Et donc, on constate qu'on va avoir des incertitudes qui sont beaucoup plus importantes. Ce petit tableau que je n'ai pas eu le temps de traduire, pardonnez-moi, donne les comparaisons principales entre les deux méthodes et conclut que le GOOM, qui est la méthode utilisée, je le répète, dans les certificats CAL 1, qui est aussi la méthode utilisée par les laboratoires pour définir leur incertitude et donne des résultats qui sont bien inférieurs à ceux qu'on constate dans la vraie vie quand on met les laboratoires en parallèle. Alors, ça, c'est juste pour montrer le banc d'essai de l'INERIS à Verneuil en Alate. Vous avez donc, c'est le seul en Europe, une chaudière qui génère de véritables gaz de combustion. L'INERIS injecte dedans éventuellement quelques substances supplémentaires qu'on va analyser. Et puis, vous avez 12 prises d'échantillons qui permettent, après homogénéisation du fluide, de faire 12 mesures en parallèle qui sont faites par 12 laboratoires le premier jour et puis 6 laboratoires qui chacun font 2 mesures le deuxième jour et les 6 autres qui font 2 mesures en parallèle le troisième jour. Et ça permet de voir les résultats comparés de ces différents laboratoires. Donc, on va regarder un peu les questions d'étalonnage. Maintenant, parmi les nombreuses conditions qui doivent être remplies, il y en a deux sur lesquelles on va s'arrêter un peu, qui sont que, comme je l'ai déjà dit, l'incertitude de la SRM, USRM, doit être très inférieure à celle de l'appareil qui l'étalonne, l'AMS. Et la deuxième, c'est qu'on aimerait bien que les fonctions d'étalonnage soient représentées approximativement par des fonctions linéaires aussi proches de possible que X égale Y, où X est la valeur lue par l'AMS et Y lue par celle de la SRM. Alors, première chose, ce petit tableau qui rappelle les exigences d'incertitude qu'on a dans la directive et qu'on a dans les normes sur les différentes SRM. Donc, vous retrouvez dans la deuxième colonne les fameuses valeurs IC95 qui sont données dans l'IED. Hein, je reprends par exemple le HCL, on retrouve les 40% que j'ai évoqués tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 75% de cette valeur est allouée à l'AMS lui-même. Donc, pour le HCL, c'était 30%. Pour le CO, sur les 10%, on va en avoir 7-5% qui sont alloués à l'AMS lui-même.
Et maintenant, si on regarde la dernière colonne, on a les exigences d'incertitude qui sont données par les normes sur les SRM pour les SRM. Et là, on est quand même un peu surpris, parce que pour le CO, on voit qu'on a 6%. Donc, si on se contente d'avoir une incertitude de la SRM qui est la moitié de celle de l'AMS, qui est déjà un objectif très dégradé par rapport à celui qui est demandé, qui est que celui de la SRM soit très inférieur à celui de l'AMS, on est un peu gêné aux entournures, parce que 6%, c'est pas très inférieur à 7,5% et c'est même pas la moitié. Alors pour les SO2, c'est pire, la valeur de 20% est même supérieure aux 15% qui sont alloués à l'AMS. Et comme on voit, pour la plupart de ces substances, l'exigence de la norme pour les SRM ne permet pas de répondre à l'exigence d'avoir une précision bien supérieure pour l'appareil qui va contrôler. Alors ça, c'est typiquement ce que produit l'INERIS, ce sont les valeurs qui ont été obtenues pendant ces semaines d'essai que je décrivais. Donc vous avez par exemple le carré rouge en haut, c'est la première semaine, on voit les résultats qu'on a obtenus à différentes concentrations. Maintenant, en abscisse, on a les concentrations, en ordonnée, on a les incertitudes relatives par les différents laboratoires. Et ça permet donc de voir que l'incertitude relative augmente énormément, hein, de façon exponentielle, quand la concentration diminue. Le trait rouge en bas, c'est l'incertitude requise par la SRM, hein, c'est les 6% dont on parlait tout à l'heure. Donc vous voyez que finalement, là on est sur le CO, et si je ne me trompe pas, on voit que quand on est à 120, 130 mg, on est déjà plus capable de satisfaire à l'exigence de la norme sur ça. Je vous rappelle quand même que la valeur limite requise par l'IED pour le CO, c'est, comme vous voyez sur le trait orange là, c'est 50 mg. Donc, on arrive à la conclusion que les valeurs qui sont déjà données dans l'IED sont trop basses pour satisfaire aux exigences de ces normes qui, elles-mêmes, je vous le rappelle, ne permettent pas de satisfaire l'exigence d'avoir une incertitude SRM très inférieure à l'incertitude de l'AMS. Alors ça, c'est la même chose, si ce n'est que les incertitudes ici ne sont plus exprimées en incertitude relative, mais en incertitude absolue. Et vous voyez le trait noir qui pique un peu du nez sur la gauche, mais qui de manière générale est relativement horizontal. Donc au contraire de l'incertitude relative qui augmente exponentiellement quand les concentrations diminuent, l'incertitude absolue, elle, peut être considérée comme plus ou moins constante. Donc première conclusion, est-ce qu'on a bien l'incertitude de la SRM très inférieure à l'incertitude de l'AMS? La réponse est non. Alors voyons la deuxième question avec les cales 2 très rapidement. Est-ce que on va avoir les résultats qu'on attend, à savoir que les deux lisent à peu près la même chose? Sur cet exemple-là, vous avez, il s'agit des NOx, donc des valeurs relativement élevées, et vous voyez qu'en abscisse, on a les valeurs de l'AMS et en ordonnée celles de la SRM. Et c'est assez cohérent. Quand l'AMS lit 200 mg, l'autre lit 205, quelque chose comme ça. Et quand il lit 250, l'autre lit 260. Bon, donc, c'est ce qu'on attend, c'est quelque chose qui est bien l'air d'une droite, et c'est que ce soit aligné et cohérent. Bon, et pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce que les valeurs sont relativement importantes. On va voir que pour les autres, c'est pas aussi satisfaisant. Vous avez là deux lignes de la même usine avec un petit A en bas à gauche, c'est pour les poussières là, de points, un petit nuage de points en bas à gauche que j'ai agrandi parce qu'il était vraiment très petit, qui permet de tracer une droite. Hein, mathématiquement, on trace une droite qui est avec une pente de 2,43-41 x. Bon. Et ça dépend un peu de la forme des points. On le voit quand on regarde sur l'autre ligne, un petit nuage qui à première vue a l'air assez similaire, lui il va donner le contraire, il va donner une pente négative 0,94.
Donc, bien que les tests de validité, de variabilité, en fait, c'est pas validité, c'est variabilité, soient positifs, on voit bien que c'est absolument n'importe quoi. Parce que dans le deuxième cas, si on utilise cette fonction, plus on va lire une valeur élevée avec la MS et moins on va avoir de poussière en valeur corrigée. Bon, puis en plus, c'est un peu difficile d'aller afficher dès qu'on aura passé 0,6 mg, d'aller afficher une valeur négative. Donc, on voit bien qu'il y a un problème quand les valeurs mesurées sont basses et surtout quand elles sont toutes très concentrées. Là, on a un autre cas où la SRM voyait toujours la même valeur, pendant que la MS voyait des variations, parce qu'on était probablement à la limite de quantification. Ça n'a pas empêché de tracer une belle fonction de correction qui a passé le test de variabilité. Et bon, là aussi, on peut s'interroger sur l'opportunité d'utiliser une fonction similaire. Là, on est sur le SO2 avec un nuage pareil. On va tracer une droite Y=0,42x avec les points qu'on a obtenus. Et là, on introduit l'incertitude. On voit l'incertitude en pratique. Parce que vous voyez bien que si vous lisez 1,5 mg avec la SRM, en fait, la SRM, sur la période, elle lisait entre 0,6 et 3,8, et la MS entre 1,2 et 4,2. Bon, le laboratoire, là, s'est dit, il faut que je fasse quelque chose, et du coup, il a fait une injection de gaz d'étalonnage qui lui a permis de tracer une belle droite, comme ça. Mais même si c'est probablement pas idiot d'avoir fait ça pour cette partie-là, en haut à droite, il est évident que dans la partie en bas à gauche, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration et que l'incertitude qu'on a pour les valeurs très faibles n'a pas changé avec ça. On a quelques autres exemples. Là, c'est une installation allemande, donc on n'a pas la lecture de la MS en milligrammes en bas, mais en milliampères, mais on voit que tous les points, et c'est du 420 milliampères, on voit que tous les points étaient pour la MS voisins de zéro. Il y a eu un point qui n'était pas à zéro pour la SRM. Bon, quelle va être la valeur de la fonction de calibration qu'on obtient, on peut s'interroger. Bon, j'en ai toute une collection que vous trouverez pour partie dans le PowerPoint. La conclusion, c'est que ce n'est pas toujours comme ça, hein, heureusement, mais que le test n'est pas parlant et qu'on peut avoir, quand on a des valeurs très basses comme ça, des fonctions de correction qui sont simplement aberrantes. Bon, c'est ce qui a été résumé dans les conclusions du rapport INERIS. La précision est trop faible pour pouvoir effectuer une fonction d'étalonnage, et sauf pour le NOX, c'est pour ça que c'est en vert. Il n'y a pas moyen d'étalonner convenablement les installations pour CO, COT, etc., avec les valeurs limites d'émission qui sont déjà dans l'IED. Il y a aussi dans ce rapport INERIS, donc là, les valeurs qu'on a dans l'IED dans la colonne 2, et à droite, vous voyez des valeurs qu'il faudrait à minima pour pouvoir satisfaire aux exigences de la norme. Hein, c'est ce qu'on a vu pour le CO, hein, il fallait de l'ordre de 120 mg. Pour satisfaire aux exigences des normes. Donc, on n'a pas les équipements qui permettent de calibrer convenablement les installations. Alors, en complément, c'est des éléments qui ont été transmis par l'INERIS, mais qui ne sont pas dans le rapport. On a les valeurs qui ont été publiées par le SEN dans la norme sur les métaux et qui montrent que pour l'essai de validation de la norme, ils avaient des incertitudes qui étaient élevées. Vous voyez que pour l'arsenic, dans une plage de 0,5 à 10 microgrammes, on avait une incertitude de l'ordre de 294%, etc. L'INERIS a calculé l'incertitude à 20 microgrammes par normal mètre cube, qui est le haut de la plage Bataille, et ils ont trouvé une incertitude pour carbure métallium de 245%. Pour les autres métaux, ces 9 autres métaux,
Cet autre métaux, l'incertitude calculée sur la base de ce test unique qui a été fait par l'OSEM est de 81% à 340 microgrammes, qui est légèrement supérieur au taux de la plage bataille. Donc, on a des incertitudes qui sont significatives dans ces plages. Et en plus, comme le fait remarquer l'INERIS, la représentativité de ces valeurs est limitée, car il n'y a eu qu'un seul essai. Pour les dioxines et furanes, la norme EN 1948 indique que le SEN, qui a fait un seul essai, a trouvé pour une concentration de 12 nanogrammes, c'est quand même très élevé, une incertitude de 36%. Et pour une concentration de 0,035 nanogrammes, ce qui correspond au milieu de la page Bataille, a une incertitude de 140%. Ça donne quand même à réfléchir. L'étude INERIS montre pour la dérivation des batailles, les données collectées n'étaient pas assez précises pour les valeurs basses et que c'est assez difficile d'utiliser ces valeurs pour fixer des VLE. Et malgré ce, il n'y a pas de mention du rapport INERIS dans le document, ni des problèmes d'incertitude, sauf la phrase que je vous ai déjà montrée, qui est dans le chapitre 7 du bref. Donc, qui a l'avantage de reconnaître le problème, mais qui a l'inconvénient de ne pas être dans les conclusions MTD. C'est pour ça qu'il est important de savoir que c'est dans le chapitre 7. Donc, en conclusion là-dessus, le problème n'est pas les techniques d'abattement, les traitements de fumée, le problème, c'est le monitoring et que... il n'y a pas de solution pour le moment. La commission disant c'est un problème de mise en œuvre, donc c'est un problème pour les États membres. Voilà, et bien écoutez, il me reste à vous présenter le guide explicatif de la profession et les quelques propositions, les principales, pour résoudre ces problèmes. On peut peut-être prendre quelques questions avant. Eh bien, je vous propose effectivement qu'on s'arrête un moment pour prendre les questions. Pour le moment, j'en ai pas encore qui sont partagées. Donc, je sais qu'il vous faut toujours un moment pour écrire les questions. N'hésitez pas à les écrire. Et on va s'y arrêter par rapport à toutes les incertitudes qu'on a pu voir. Parfait. Ben voilà, Océane a fait partager sa question en avant, donc en avance. Donc, elle me l'envoie. Dans le cas d'un site ICPE comportant uniquement une unité inférieure à 3 tonnes par heure, celle-ci n'est pas soumise à l'IUD, n'est donc pas couverte par le bref. À la publication des conclusions MTD, l'exploitant ne devrait donc pas être tenu de réaliser un dossier de réexamen des conditions d'autorisation d'exploiter et se mettre en conformité. L'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activité sous un risque infectieux, qui lui vise bien toutes les UIOM, quelle que soit leur taille, précise dans son article 4 et 26 que les installations doivent être conçues selon les meilleures techniques disponibles. La question est donc la suivante. Les petites unités seraient donc tenues de prendre en compte tout de même les nouvelles conclusions sur les MTD qui sortiront? Et à quoi faut-il s'attendre pour cette petite unité? Au niveau européen, clairement, c'est exclu, comme rappelé dans la question. Rien n'interdit aux États membres de prendre des dispositions plus contraignantes que ce qui est prévu par la réglementation européenne. Maintenant, l'application des meilleures techniques disponibles n'est pas nécessairement restreinte à l'application des conclusions MTD qui sont dans le document. Donc, je ne connais pas le texte français, le paragraphe qui parle de ça, mais il semble que ce qui est exigé, c'est de mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles et non pas les meilleures techniques disponibles du bref sur l'incinération. Bon. En pratique, si c'est le cas, je dirais que ça revient à prendre en considération les conclusions qui sont dans le bref et à vérifier avec encore plus de points d'interrogation si ça s'applique à l'installation particulière. C'est-à-dire que ça peut être une trame pour se poser quelques questions, mais clairement, on ne peut pas dire que
meilleures techniques disponibles qui soient décrites dans le document s'applique nécessairement à une installation de moins de 3 tonneurs, puisque ça a été fait pour les installations de plus de 3 tonneurs. Donc, ça peut être une aide à la réflexion, mais on peut tout à fait imaginer qu'on conclut que pour une plus petite installation, ça ne s'applique pas du tout. Très bien. Alors, on avait une question qui était bien préparée à l'avance pour avoir le détail, les éléments de détail et avoir une réponse pour ce cas particulier. Peut-être que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont aussi en train de noter ces éléments-là pour une question assez complète aussi. Non, pas trop complète parce que… En tout cas, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, bon. Si vous on en les garde avez, pour la fin. Voilà, si vous en avez, on va les prendre à la fin parce qu'il nous reste une demi-heure. Donc, on va voilà. Avancer sur la suite. Allez. Merci. Donc, le guide, on l'a baptisé Explanatory Guidance Document parce qu'il tend à expliquer d'une part et à donner des suggestions pour l'application. Et donc, après avoir expliqué ce qu'il y a dedans, je vais passer en revue, comme annoncé, les propositions que nous avons pour remédier à certains des manques identifiés préalablement. Alors, vous notez que soigneusement, nous avons présenté les problèmes et que nous faisons des propositions de solutions bien distinctes des problèmes. Ceci répond à une demande du ministère de l'Environnement qui, quand on a commencé à nous parler de ce guide, a dit « Ne mélangez pas tout entre les faits et ce que vous voudriez que ce soit. » Nous sommes tout à fait intéressés par votre démarche, mais il faut que vos propositions soient clairement identifiées comme des propositions et non pas comme des choses qui seraient considérées comme légales, obligatoires et autres. D'où la structure du document et la structure de l'exposé que j'ai fait aujourd'hui. Donc, le document a été préparé par CWEP et SWET et FEAD. Nous avons fait un premier projet en février, un deuxième en avril et actuellement, il est en train encore de finalisation de relecture par nos membres pour une mise à jour qui devrait être faite pendant l'été, sachant bien sûr qu'il faudra le remettre probablement à jour après publication des conclusions s'il y a des petits changements et à nouveau en 2020 s'il y a des changements dans le bref. Mais on pense que ce seront des modifications à la marge. Donc, dedans, on va retrouver le cadre légal et le contexte, la revue générale, les commentaires sur les points principaux, les commentaires sur des conclusions MTD particulières, et puis une méthode pour la vérification de la mise en œuvre des MTD, puis les propositions pour les points en souffrance. Bon, il s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet. De manière plus précise, on a tout d'abord un document principal qui passe en revue l'ensemble des questions et fait déjà quelques propositions. Ensuite, on a l'annexe 1 avec abréviation et les facteurs d'équivalence toxique que j'indiquais tout à l'heure. Une série d'annexes 2 à propos de NOC et OT. Premièrement, petit A, exposé général. Deuxièmement, comment identifier les NOC et hautes NOC. On va y revenir. Et puis, en petit 3, une liste de situations hautes NOC que nous avons identifiées, qui sont rattachées à des signaux et des alarmes du contrôle commande et qui peuvent être utilisées pour automatiquement identifier les situations hautes NOC. C'était une demande aussi du ministère, que ce ne soit pas l'exploitant qui appuie sur un bouton en disant je suis en hautes NOC quand ça l'arrange, il faut que ce soit factuel et aussi automatique que possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hautes NOC qu'on pourra déclarer manuellement, mais le principe, c'est d'essayer de le faire automatiquement. Ensuite, on a une série d'annexes 3 à propos des incertitudes. Donc, 1, les explications. 2, une brève présentation de l'étude INERIS. 3, une série d'exemples d'étalonnage CAL 2 qui complète ce que je vous ai montré. Et puis, un point intéressant sur une norme qui est en cours de finalisation sur les DHS précisément et qui donne des indications sur les façons de calculer les moyens. Ensuite, l'annexe 4 qui est dédiée à l'efficacité énergétique, qui complète largement tout ce que j'ai pu raconter brièvement tout à l'heure. L'annexe 5 qui fait des commentaires approfondis sur certaines des conclusions de MTD pour les mettre en œuvre.
et l'annexe 6 qui donne des formulaires pratiques pour le dossier de réexamen de façon qu'on ait juste à cocher et qu'on ait une synthèse pour le document en question. Alors tout ça malheureusement est en anglais, sauf les annexes que j'ai mises en vert et qui sont déjà disponibles en français. Nous envisageons, quand on l'aura corrigé, parce que c'est très difficile de maintenir deux versions en deux langues différentes d'un document qu'on met à jour, de traduire en français le document principal et peut-être certains éléments des annexes. Enfin, ça dépendra aussi de la demande si les utilisateurs souhaitent que ce soit traduit. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, c'est beaucoup mieux, mais c'est un travail considérable. La présentation que je vous fais a été faite en anglais initialement et j'ai quand même passé plus d'une semaine à la traduire en français. Donc, ça n'a pas l'air, mais ça prend du temps. Alors, le principe d'évaluation de la mise en œuvre des MTD est résumé dans cet arbre de décision qui, lui, a été traduit par mon ami Lionel Ecosior qui a participé à cet effort de traduction. Si vous voyez, en une semaine, je ne suis pas arrivé à tout traduire tout seul. Et dedans, vous avez donc une succession de questions que chacun est amené à se poser pour chaque conclusion MTD. En particulier, s'il y a une usine de moins de 3 tonneurs, elle pourra a fortiori utiliser les critères qu'ils ont donnés dans l'IED pour la définition des meilleures techniques disponibles pour savoir si oui ou non ça s'applique. Donc la première question, c'est est-ce que cette conclusion MTD s'applique à mon installation ou pas ? Par exemple, vous avez des conclusions qui s'appliquent que aux installations de déchets dangereux. Donc, si ce n'est pas déchets dangereux, la réponse est non et on passe à la suivante. Ensuite, est-ce que la conclusion, si oui, la conclusion MTD est-elle déjà mise en œuvre sur mon installation ? Et si oui, c'est pareil, on le dit, et puis on sort et on passe à la suite. Et sinon, on s'interroge sur l'opportunité qu'il y a à la mettre en œuvre. Si on conclut oui, il faut, on dit oui, je le ferai, et on sort. Si la réponse est non, on se demande si la mise en œuvre de cette technique est applicable à l'installation. Est-ce que mon installation va bénéficier de ça ? Et là encore, oui, non, et autre possibilité, je ne sais pas. Dans ce cas-là, on fait une étude pour voir si la technique est utile, intéressante, etc. Et c'est là qu'on a aussi une sortie en disant, finalement, compte tenu de l'ensemble des critères et de l'approche intégrée, cette technique, à mon avis, n'est pas applicable et donc je propose de ne rien faire pour... après avoir étudié les possibilités, je propose de ne pas le faire. C'est notamment là qu'on peut avoir une sortie pour les bataillis, efficacité énergétique, où on dit, écoutez, compte tenu de tout ça, moi, je pense que c'est pas utile d'aller rajouter une chaudière plus performante qui ne servira à rien. Alors évidemment, dans le dossier qu'on dépose auprès de l'autorité compétente, il faut indiquer le délai dans lequel on va le faire, etc. Mais ça... l'autorité française a prévu déjà un cadre qui explique comment on doit s'y prendre de manière pratique. Donc, deux des annexes existent en français. Pour l'idée, c'est de les utiliser dans le dossier de réexamen. La première, elles sont deux en fait, c'est les annexes 6A et 6B. 6A pour les CVE et 6B pour les IME qui prennent les conclusions MTD une par une et qui propose de cocher. Donc là, vous avez le rappel de la conclusion MTD numéro 11 qui dit qu'il faut vérifier les déchets qui rentrent avec possiblement une détection de radioactivité, le poids, une inspection visuelle, etc. Et donc, dans l'annexe, vous allez retrouver ces éléments avec à chaque fois... la première question, est-ce que c'est applicable, est-ce que c'est pas applicable ? Et si oui, est-ce que j'ai le portique de détection de radioactivité ? Alors en France, comme c'est obligatoire, on va tous répondre oui, mais le pesage aussi, inspection visuelle oui ou non. L'exemple est en France probablement pas. Voilà, si analyse d'un prélèvement de déchets reçus, je pense pas que toutes les usines le fassent.
Donc, on va conclure à la fin, selon l'exigence qui était qu'il fallait mettre en œuvre une ou une combinaison ou toutes les techniques. Et on va conclure, oui, à mes yeux, je satisfais à la demande, à la, enfin, je mets en œuvre la meilleure technique, la conclusion meilleure technique disponible, numéro 11. Et ceci, c'est ce qu'on avait déjà fait en 2006. Ça permet très rapidement d'avoir une vue d'ensemble de la situation et pour l'autorité compétente de voir tout de suite les endroits où il y a quelque chose à faire. Évidemment, il est prévu aussi d'apporter des justificatifs pour expliciter pourquoi on répond oui ou on répond. On l'a déjà évoqué, pour savoir si les installations étaient déjà dans la plage Batarelle, on peut utiliser les données des années précédentes en regardant si, oui ou non, on était déjà dans la plage Batarelle quand on est en août. Donc, on a imaginé deux approches. La première, c'est de regarder sur l'année précédente, ou l'année encore avant, si il y a des valeurs qui dépassent la plage Batarelle. Et si oui, on peut, c'est la méthode analytique, aller vérifier si oui ou non on était pendant cette période en NOC. Et si on était en notre NOC, on écarte et on vérifie si oui ou non on était dans la plage Batarelle. L'autre approche, c'est la méthode statistique sur la base du 98e centile. Hein, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure en réponse à une question. Et là, on fait beaucoup plus rapidement une vérification sur le pourcentage de valeurs qui sont dans la plage Batarelle ou en dessous. Bon, alors de toute façon, c'est au risque de l'exploitant, je dirais, parce que là, il dit simplement, je pense que j'ai rien à faire, avec les techniques que j'ai, je suis capable d'être dans la plage Batarelle. Évidemment, après, il faudra qu'il le montre. Une fois que, au bout des 4 ans, il faudra qu'il montre qu'il est effectivement dans la plage. Donc, ça lui permet d'apporter un document de justification dans son dossier de réexamen. Ça ne lui permet pas, évidemment, ad vitam aeternam, de dire qu'il a été dans la plage. Ceci dit, la méthode analytique, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, hein, c'est le 15-3B, peut servir éventuellement à montrer, vous connaissez ce dessin, que l'installation était dans la plage Batarelle en faisant une vérification annuelle une fois par an. Alors là, on illustre les deux méthodes. Vous avez le de l'annexe 6, vous avez le haut de la plage Batarelle, ce sont les deux lignes rouges. Et on regarde, c'est pendant l'année, hein, vous voyez les points bleus en bas, si l'installation a toujours été en dessous de la plage Batarelle. On trouve qu'il y a deux points qui sont au-dessus du haut de plage Batarelle. On vérifie, le premier était une période de test, donc Côte-Noc, le deuxième était une période de maintenance, donc Côte-Noc. Et puis, avec la méthode analytique, c'est bon, c'est passé. Avec la méthode statistique, on voit qu'il y a un troisième point qui était au-dessus du 98e centile et on voit que c'était une panne et que donc on était en haute NOC. Donc, les deux méthodes, dans ce cas-là, montrent que c'était bon. Alors, pour les usines nouvelles, évidemment, on fera les vérifications sur la base des garanties, des valeurs attendues. Et on le revérifiera une fois que l'installation sera démarrée. Pour les lignes existantes ou les usines existantes, on pourra, pour les mesures périodiques, le faire sur une durée de 3 ans pour avoir un certain nombre de points représentatifs. Pour le long terme, pareil, sur plusieurs années. Et pour les mesures dans l'eau, on pourra le faire en valeur mensuelle pour... en moyenne journalière pour les matières en suspension, puisqu'on a une obligation journalière, et pour les autres, à partir des valeurs mensuelles, sauf une, et comme c'est requis par l'IED qui tolère une valeur supérieure pendant l'année. Bon, évidemment, c'est par rapport aux valeurs Batarelle, et non pas aux valeurs IED cette fois. Donc, l'annexe 2, c'est l'autre document qui a été traduit en français, permet d'utiliser le contrôle commande pour identifier les situations. Donc, ce fichier Excel qui provient de
de Lionel Cozior également, permet, il faudra l'adapter pour chaque installation, d'indiquer sans intervention de l'exploitant ce qui est à considérer comme situation hot dog. Bon, l'avantage de faire ça, c'est que c'est comme ça en automatique, ça rassure l'autorité compétente et en plus ça permet à l'exploitant de s'occuper du problème au lieu de se préoccuper de signaler qu'il est en hot dog ou pas. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce tableau. Ça, c'est un échantillon de l'annexe 2C. Donc, je rappelle qu'elle a été traduite en français par Lionel et que ça, c'est une aide, évidemment, à l'établissement d'un document similaire. Chaque usine devra, compte tenu de son process propre, adapter le document. Voilà pour les premières propositions. Si vous permettez, on va continuer avec les autres, donc l'identification des situations hot-knock. La proposition pour se caler, c'est d'utiliser les hot-knock qui ont été donnés dans l'IED, le guide d'élaboration des brefs, hein, vous avez en mémoire la diapo. Ensuite, utiliser les mêmes règles que l'IPPCB a utilisées pour la filtration des données, il n'y a pas de raison, hein, le BATAEL a été utilisé, dérivé comme ça, donc on va utiliser les mêmes règles. Ensuite, comme pour le bref LCP, définir la fin de démarrage lorsqu'on atteint un état stable, utiliser le contrôle-commande comme on vient de voir pour définir les changements, les passages de NOC à OTNOC et vice-versa. Et pour les moyennes jours, utiliser les mêmes règles que l'UPCB a utilisées. Donc, vous reconnaissez ça, on ne va pas s'arrêter dessus. L'idée, c'est de reprendre ça pour les valeurs OTNOC. On a fait l'annexe 2B qui donne plus de précision sur la définition du démarrage et de l'arrêt. On ne va pas s'arrêter dessus maintenant parce que le temps tourne, mais on a clairement indiqué dans cette annexe les propositions que nous faisons pour identifier la fin de la phase 1 du démarrage, donc introduction des déchets dans le foyer, et surtout la fin de la phase 2, c'est soit avec une durée spécifique, soit avec des règles sur la proportion de l'énergie qui provient des déchets et des règles sur la stabilité. Alors ça, c'est encore en devenir parce que l'idée qu'on en a avec les collègues européens, c'est de faire une proposition aussi large que possible de façon que chacun dans ses négociations avec l'autorisation, avec l'autorité compétente pour l'autorisation, puisse avoir un panel qui correspond mieux aux habitudes de chaque pays. Bon, je ne vais pas non plus développer là. On a des règles proposées déjà dans notre projet de guide pour l'arrêt et notamment pour l'arrêt non programmé. Alors, je vais quand même développer un peu plus par contre le calcul des moyennes atmosphériques parce que c'est relativement nouveau. Ça provient de ce projet de norme qui est en cours de validation au CEN que j'ai déjà évoqué à propos des DHS. Et qui explicite comment faire, notamment quand on a comme ça des modes reportables, un reportable mode, comme on appelle ça, différents. C'est-à-dire que ce document prévoit qu'on puisse devoir faire des calculs dans des situations différentes. Pour nous, ça va être en NOC, et en plus de ce qu'on fait déjà en R et OT. Donc l'idée, c'est de vérifier au niveau des first level d'état, c'est-à-dire pour nous, ce sera en général les moyennes minutes, qu'on était bien en situation NOC et de noter les valeurs obtenues quand on était en NOC. Ensuite, on va calculer les moyennes. Alors, en fait, rien n'est dit si on prend des valeurs bloquées ou des moyennes glissantes. Il est largement préférable, tiens, la diapo suivante, on va pas s'arrêter dessus maintenant, de prendre des moyennes bloquées comme on fait jusqu'à maintenant parce que sinon vous avez 48 moyennes journalières par jour donc ça vous fait encore plus de chances de dépassement et la moyenne bloquée fait partie des 48. Donc là on va ensuite appliquer la règle des deux tiers qui est dans le projet de norme pour savoir comment calculer une moyenne semi-horaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer une moyenne semi-horaire si on a au moins 20 minutes qui sont dans le reportable mode, c'est-à-dire en NOC.
Et on s'assure donc qu'on était bien en NOC, on s'assure que c'était des valeurs valides, et ensuite, si on en a 20 minutes, les standardise PTO2, H2O, on soustrait l'incertitude et on calcule les moyennes arithmétiques non pondérées en temps pour les moyennes journalières. Alors là, la norme dit au moins, il faut au moins 6 heures par jour. Donc si vous avez des demi-heures qui ont été faites avec 23 minutes, ça ne va pas être 12 demi-heures, ça va être 6 heures. Et en plus, on propose, pour cohérence avec la façon dont le IPPCD a procédé, doter les jours si on n'a pas 43 demi-heures validées en NOC. Souvenez-vous du filtre 43 que j'ai mentionné tout à l'heure. Après, on compare donc avec les obligations. Et je le répète, hein, ça, c'est à faire en plus des calculs qu'on fait déjà actuellement. Donc ça, c'est un diagramme qui se trouve dans ce projet de norme, dont je pense qu'il va être publié dans le courant de cette année, avec les deux niveaux de vérification. D'une part, qu'on est bien dans la période, d'autre part, que les données sont valides avant de considérer que la valeur de demi-heure est disponible. Pour information, il n'y a pas que les hot NOC pour les émissions à l'air. Les hot NOC sont des hot NOC applicables. Il va de soi que si on a une fuite dans les cabinets des bureaux, on ne va pas utiliser ça comme hot NOC pour les émissions. Donc, de la même manière qu'on a essentiellement discuté jusqu'à maintenant les hot NOC applicables aux émissions dans l'air, nous avons pensé utile d'avoir des hot NOC pour les émissions dans l'eau, qui sont d'ailleurs prévus dans le bref. Quand on va regarder les données pour les émissions dans l'eau qui sont données en chapitre 3, le QPCB a écarté certaines valeurs en disant que c'était certainement en hot NOC. Donc nous sommes attachés à définir une liste de situations qu'on considère hot NOC pour le traitement des eaux que vous voyez là. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à commenter parce que c'est un sujet qu'on a moins travaillé que les émissions dans l'air. Et donc, je suis tout à fait intéressé, en plus de tout le retour que vous pouvez faire sur l'ensemble des sujets, d'avoir un retour sur les hot NOC émissions dans l'eau qui pourra utilement être ajouté dans le. Bon, on l'a déjà dit dans les autres points, pas de VLE basé sur les batailles pour les moyennes demi-heures. Hein, il y a le safety net. Échantillonnage long terme, la discussion sur le fait que jusqu'à présent, on était en R et OT et donc on propose d'utiliser la dispense pour ne pas devoir le faire aussi en NOC. Et l'autre recommandation, c'est à propos de la valeur indicative de meilleur pour le benchmarking. A priori, il ne peut pas y avoir de bataille là-dessus. S'ils ont mis une valeur indicative, c'est loin d'être sûr de pouvoir toujours maintenir cette valeur. Les essais qu'on fait avec le SVDU montrent que c'est aussi un vrai défi. Et donc, si jamais on devait faire un benchmark là-dessus, notre recommandation est de faire le calcul comme l'a fait le IVPCB, qui après avoir enlevé toutes les situations hot NOC, a encore enlevé pour les valeurs de demi-heure, je ne sais pas si vous vous souvenez du filtre O30, il a enlevé les 60 valeurs les plus hautes qui restaient. Donc, évidemment, ça permet d'abaisser les valeurs. On enlève toutes les hot NOC, ensuite on enlève les 60 plus hauts, au motif que ça a été soi-disant des outliers, c'est-à-dire des valeurs anormales. Et ils avaient pas d'autres critères pour dire qu'ils étaient anormales, qu'ils étaient plus hauts que les autres. Ce qui est quand même spécialement étonnant quand on sait qu'on parle du mercure et que le mercure est quand même émis par pic. Alors, quelques mots maintenant sur le plan de management hot NOC. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait ces conclusions MTD qui demandaient qu'on suive ce qui se passe pendant les hot NOC de façon à essayer d'y remédier. Donc, on a l'obligation de faire un certain nombre de choses là-dessus et notamment de faire des mesures en hot NOC. Alors, pour ce qui est des données enregistrées, les mesures en continu, on les a. Donc, il suffit de regarder les enregistrements après un hot NOC. Cependant, j'attire votre attention sur deux choses. D'une part, les valeurs risquent d'être pas très représentatives parce que quand les débits sont très faibles, les appareils ne voient plus grand-chose. Et on va le voir, il y a aussi le problème de la correction de l'eau. Pour ce qui est des mesures en continu, à part pour un démarrage et un arrêt, il est difficile de faire venir un laboratoire avant qu'il y ait un problème et de lui dire « vous restez là jusqu'à ce que j'ai le problème ». Donc
on aura difficilement des mesures discontinues pendant d'autres octobre que le démarrage est là. Cette diapo illustre le problème de la correction d'oxygène. C'est une diapo qu'on a obtenue il n'y a pas longtemps, là, avec les essais SVDU sur le mercure, où on voit pendant toute la journée, ou presque vers 15 heures, que, enfin 14 heures quelque chose, que les deux valeurs mercure corrigée à l'O2, mercure sans correction à l'O2, corrigée en bleu, non corrigée en rouge, se suivent à peu près toute la journée. Et puis au moment de l'arrêt non programmé, on a une augmentation de mercure en rouge qui monte à 75 microgrammes par normal mètre cube. Mais on voit que pendant ce temps-là, la valeur corrigée avec l'O2 bondit à 750. Pourquoi ? Eh bien parce que l'O2 passe à 20% et donc d'un seul coup, la correction O2 multiplie par un facteur 10 environ le signal de mercure qu'on a eu. Alors ça, c'est la même chose avec une échelle un peu différente. On voit bien dans la partie gauche que les deux se suivent et qu'ensuite, il y a une multiplication significative. Les incertitudes, dernier point. Donc, selon l'IPCB, dans une réponse à une question qui a été posée, il n'y a pas d'informations disponibles sur les IC95 sur des VLE jour inférieur à celle de l'IED annexe 6. Ça veut dire qu'ils ne savent pas quoi dire sur les incertitudes en dessous de celle de l'IED. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous pensons que les incertitudes de l'IED sont en fait des valeurs absolues et notre idée c'est qu'il faut continuer à utiliser ces valeurs absolues pour des VLE qui sont inférieures à celles de l'IED. C'est-à-dire que si on reprend le HCL, en attendant d'en savoir davantage, il faut considérer que l'incertitude absolue elle reste de 4 mg par mètre cube, même si la VLE devient 5 mg. On espère que les appareils de mesure vont s'améliorer, que les normes vont s'améliorer, mais en attendant, notre recommandation, c'est de ne pas prétendre être plus précis qu'on est déjà. Je vous le rappelle, l'INRIS dit qu'on n'est pas capable de faire ce que demande l'IED aux valeurs d'émissions qui sont imposées par l'IED, donc à valeur inférieure a fortiori. Donc, dans ce tableau, vous reconnaissez ces fameux intervalles de confiance à 95% de l'IED et ici les valeurs absolues qui en découlent et dont nous recommandons l'usage en attendant que les choses évoluent. Alors pour le mercure et l'ammoniac pour lesquels il n'y a pas de valeur dans l'IED, l'idée est d'utiliser les valeurs qui ont été proposées par deux États membres, à savoir pour le mercure par l'Allemagne dans le 17e DIV, qui, pour une valeur journalière de 30 microgrammes par mètre cube, propose une incertitude de 40%, ce qui, en absolu, fait 12 microgrammes par mètre cube. Pour l'ammoniac, la France, pour une valeur journalière de 30 mg, propose aussi 40%, ce qui fait 12 mg par normal mètre cube. Et pour les périodiques, nous proposons de rappeler dans les comptes rendus des incertitudes dont on parlait tout à l'heure, qui sont quand même impressionnantes pour ceux qui ne les avaient pas encore vues. Voilà, et il me reste à vous présenter les documents utiles et les conclusions. C'est très rapide, je vous propose de faire ça avant de passer aux questions. Il y a un certain nombre de documents qui complètent un peu tout ça, ou de liens. Donc là, vous avez le lien vers le site de l'IPCB où on peut télécharger tous les brefs et les conclusions dans l'état où ils sont. Donc là, j'ai encadré là-dessus les brefs qui nous intéressent, mais ils sont tous. Vous avez ensuite le document dont on a abondamment parlé, qui on peut se procurer au CNIL ou au SVDU à la FNAL, et pour les, ou oui, bien sûr, auprès de l'AST, et pour lesquels je serai content d'avoir des commentaires sans trop tarder, puisqu'on va le mettre à jour. Après, vous avez le rapport d'études INERIS. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il a été fait d'abord en français, qu'il a été traduit en anglais et qu'ensuite, suite aux commentaires, il a été corrigé dans la version anglaise.
Pour le moment, nous n'avons pas la version française corrigée, que j'espère avoir à la fin de l'année. Mais en comparant les deux, on peut lire en français et voir s'il y a eu quelques changements. Dans la version anglaise, ils sont téléchargeables sur les sites indiqués. Un article tout récent de WMW, qui est le journal de l'ISVA, qui explique les problèmes sur le sujet, en 6 pages. Une note excellente de l'amorce en 12 pages qui résume tous ces problèmes, qui est pour le moment réservée aux membres de l'amorce, mais j'ai compris qu'ils seraient à disposition libre normalement ces jours-ci. Sinon, il faut voir avec l'amorce si vous n'êtes pas membre, à devenir membre ou la récupérer auprès d'eux, je ne sais pas. Ensuite, une note de mise en garde sur l'utilisation hâtive des plages bataille qui a été co-signée par 8 associations françaises, dont l'AST. Le même document au niveau européen, enfin presque le même document, il y a eu quelques adaptations signées par 8 associations européennes pour dire attention, ne confondons pas les nouvelles bataille avec les nouvelles VLE. Un document tout à fait intéressant du syndicat des bureaux d'études français qui dit « Attention, nos recommandations sur les futurs VLE, c'est plutôt les hautes plages, Bataille, sauf pour les NOx. » Et puis les documents du ministère qui sont intéressants et bien faits. Un décret sur la simplification de l'IED de 2017, un guide de mise en œuvre de l'IED aussi de 2017, un guide de demande de dérogation, alors ça c'est pas vraiment pour nous, c'est pour les autres secteurs, parce que nous on est habitué à pas avoir trop de dérogations, enfin, on ne sait jamais, si on veut faire une dérogation, on a le mode d'emploi. Et puis le document que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est en projet mais qui devrait paraître bientôt, et qui est très très bien, et sur le guide générique du réexamen, qui explique justement certaines choses sur lesquelles nous sommes très heureux que l'État membre français ait pris position, notamment sur les points, sur certains des points que j'ai évoqués pendant cette conférence. Et voilà, donc je suis arrivé à la dernière slide. Si vous avez des retours et des questions, eh bien, s'il vous plaît, envoyez ça à Céleste Charbonnier, à Lucille Boulogne, qui m'ont accompagné dans cette démarche, et ou si vous souhaitez, si vous pensez que c'est préférable, vous pouvez me les adresser directement. Je vous remercie de votre attention et je reste à disposition pour les questions. Merci beaucoup Hubert de Chef-de-Bien. La question qui m'a été posée tout à l'heure et que je partage, c'est de rappeler dans quelle mesure le guide sera porté par le ministère auprès de l'inspection. Le nôtre. Alors la question a été posée tout à l'heure quand on Notre guide, c'est effectivement qui doit sortir. Oui, alors le dernier est là, et évidemment, il émane du ministère, donc il sera porté à 100% par le ministère. Et il contient, je le répète, de nombreuses bonnes choses. Notre guide à nous est un guide de la profession, et je n'espère pas que le ministère dira tout est bon là-dedans, ça a été écrit par les associations et bon à 100%. Même si, de par les discussions que nous avons avec le ministère actuellement, nous pensons que nous sommes très proches et que le ministère français est un de ceux qui a le mieux compris les problèmes que peut poser le bref par rapport à d'autres États membres. Ceci dit, comme je le disais, nous avons un groupe miroir de travail avec le ministère français et nous avons déjà discuté la plupart de ces points avec le ministère. Nous avons la joie de voir que dans certains éléments apparaissent déjà dans les textes produits par le ministère. Et pour le reste, nous avons bon espoir d'arriver à trouver un désaccord sur un certain point. Donc, les deux annexes que j'ai mentionnées, qui sont utiles directement pour leur examen, à savoir 6A, 6B, où on coche les conclusions, et puis celui sur la façon d'utiliser les données du contrôle commande pour identifier les passages de NOC à haute NOC et de haute NOC à NOC, le ministère à qui nous les avons transmis, les étudie et nous espérons avoir bientôt une réunion pour discuter de leur contenu. Pour ce qui est du reste,
un certain nombre de questions ont été posées et je pense que ça sera transcrit dans des textes à venir ou dans des positions qui nous seront communiquées par différents moyens. Le ministère nous a déjà dit qu'il serait ouvert à ce que nous participions à une journée d'information auprès des DREAL qui est prévue à l'automne et dans lequel nous pourrions exposer les points que nous avons identifiés qui appellent réponse et nos propositions de réponse de façon qu'on puisse en discuter avec eux et qu'ils puissent ensuite en discuter hors notre présence pour voir ce qu'ils obtiennent ou pas. Donc je suis optimiste sur la façon dont le problème sera traité en France dans le courant de l'année. Si on arrive à se mettre d'accord avec le ministère à l'automne 2019, ça sera parfait parce que ça laissera le temps ensuite de finaliser les dossiers de réexamen et ça fera gagner beaucoup de temps dans l'appréciation que les DREAL feront des dossiers qui leur seront soumis. Mais je suis tout à fait confiant. Merci Berdechef de Bien. Autre question, comment les constructeurs d'appareils de mesure et d'acquisition appréhendent-ils les NOC-OTNOC ? Je dirais comme tout le monde. Le problème majeur des constructeurs d'appareils de mesure, c'est ils ont du mal à appréhender l'impact des talonnages successifs. Eux disent, mon appareil est très précis, regardez le certificat que m'a donné le TUF, vous voyez, j'ai une incertitude minuscule. Et quand on leur dit, certainement dans le juste, si ce n'est que malheureusement pour nous, quand on fait un étalonnage, ben finalement, c'est ce que j'ai entendu la première, en revenant, je vais vous faire une petite anecdote. Quand je suis revenu de Séville en 2015, après la réunion finale sur le bref LCP, où il y avait déjà eu des valeurs extrêmement basses qui avaient été validées, j'ai eu la chance de pouvoir assister à une réunion organisée par l'INERIS à la FNUR pour les spécialistes de ces questions. Et là, j'ai demandé ce qu'on pouvait penser de ces valeurs extrêmement basses. Et il y a eu une réponse qui m'a frappé. C'est un des laboratoires qui a dit finalement, je ne sais pas, parce que quand on fait un étalonnage, on inocule l'erreur de la méthode de référence dans l'appareil en ligne. Et donc, arriver à ces valeurs extrêmement basses me paraît extrêmement difficile. Bon, et de là, toute la suite, c'est ce rapport que nous avons fait. Donc, pour les instrumentistes, la difficulté, c'est de dire que ce n'est pas nous, c'est l'autre, quoi, c'est le laboratoire. Et les laboratoires, eux, de leur côté, ils disent que ce n'est pas moi, parce que moi, j'ai une bonne précision. En fait, le problème que nous avons, il est que quand on prend un laboratoire tout seul, il a une assez bonne précision. C'est quand on prend tous les laboratoires ensemble que là, on voit qu'ils ne trouvent pas la même chose. Et c'est difficile d'exprimer cette incertitude. En fait, quelle est l'incertitude ? Pour un exploitant, l'incertitude, elle va être que selon le laboratoire qu'il va avoir, invité à venir faire des mesures, il va avoir un résultat ou un autre. Et donc, c'est extrêmement difficile à mesurer que de dire, selon le labo auquel j'ai passé commande, je vais avoir telle ou telle valeur. Et c'est pour ça que les comparaisons interlaboratoires qui sont faites par l'INERIC sont tout à fait intéressantes. Mais les normes ne les prennent pas en compte pour le moment. D'où ce que je disais au début, c'est qu'on va avoir un gros problème de revue des normes. On a mis le doigt sur un problème qui était connu en fait de tout le monde du monitoring depuis de longues années et qui ne remontait pas, si vous voulez. Là, comme on est, nous, dans le secteur de l'incinération, on est vraiment les pionniers de valeurs extrêmement basses et on est très contraints, très surveillés. On ne peut pas continuer à se cacher à son petit doigt en disant « bon, je ne sais pas trop le mesurer, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, comme je vous le disais, hein, on a des valeurs qui sont beaucoup plus basses que les VLE, donc tant pis, etc. » Maintenant, on est acculé à devoir montrer des valeurs plus basses qu'on sait en fait le montrer en conformité avec les normes. Donc, il faut que ça bouge. Donc, tout le travail que nous avons fait a consisté à constituer
alerter les acteurs. Et même si on n'a pas de solution aujourd'hui, je puis vous assurer qu'à la Commission et dans un certain nombre d'États membres, le problème est reconnu. Alors, bon, dans tous les certains États membres, ils disent, mais en fait, il n'y a pas de problème, c'est parce qu'ils savent pas s'y prendre, ils sont nuls, c'est français. Il n'y a pas que les Français, il y a, je dirais, sur les 28 États membres, il y en a deux ou trois qui disent, mais non, il n'y a pas de problème. Les autres reconnaissent qu'il y a un problème. Donc, ça va évoluer, j'en suis certain. La difficulté qu'on va avoir, c'est la période intermédiaire pendant laquelle il va falloir fixer des valeurs dans les permis. Et c'est pour ça que ma recommandation, c'est d'être extrêmement prudent et de ne pas chercher à faire des valeurs trop basses. Alors que même si on sait probablement les atteindre avec le traitement de fumée, on ne sait pas les mesurer avec la précision voulue, de façon à laisser le temps aux instrumentistes d'améliorer les choses et surtout aux gens qui font les normes. Merci beaucoup, Hubert de Chédevien, pour ces éléments complémentaires. Et donc, il faudra voir aussi, vous disiez, les futurs instruments de mesure peut-être qui évolueront. Donc, merci à tous les participants. Je vous propose maintenant un sondage pour lequel vous allez pouvoir répondre. Et puis, lorsque vous aurez répondu à ce sondage, vous allez avoir la possibilité de retrouver les informations sur les prochaine formation de la communauté traitement des déchets, et vous aurez aussi la possibilité de revoir des conférences qui abordaient des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser. Voilà, mais écoutez, je remercie encore Hubert de Chédevien et je dis à tout le monde peut-être à bientôt sur la communauté. Merci beaucoup Lucille, merci Céleste pour votre soutien pendant la préparation de ces documents. Et merci à vous tous qui avez consacré le temps à écouter cette longue conférence. Je sais que c'est difficile de maintenir l'attention.